Bonsoir, bonsoir. C'est la rentrée, on est très heureux de vous voir aussi nombreux. C'est vrai qu'on a un petit peu tardé puisqu'il y a eu cette séance de dédicace que nous avions annoncée, hein, qui se déroulait avant la conférence. Il en dédicacera encore un petit peu après Cédric Villani de ses livres pour ceux qui le désireront, mais sans doute un petit peu moins parce qu'il a une journée, je crois, extrêmement chargée à Rennes. Alors là, il est en train il arrive, hein, dans un instant, il arrive avec son ordinateur. En attendant, pour gagner du temps, justement, pour faire plaisir au monsieur qui n'était pas content, là. Comment ? Où êtes-vous ? Ah oui, d'accord, je ne vous avais pas vu. Non, non, mais si, pour gagner un petit peu de temps aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent demain. Donc, je voulais vous dire que donc, c'est la rentrée à l'espace des sciences. Le planétarium et le laboratoire de Merlin, qui étaient fermés la semaine dernière, ont réouvert aujourd'hui. Et puis, c'est le 25 septembre que vous allez découvrir les deux nouvelles expositions mises en place dans les salle de l'espace des sciences, l'une qui s'intitule « Tous vivants, tous différents ». C'est une exposition permanente qui remplace celle des roches armoricaines, vous savez, qui avait tenu cette place pendant combien d'années ? 6 ans, voilà. Et puis, il y a une autre exposition qui va ouvrir aussi à cette même date, « Regard sur le vivant », qui sera en place jusqu'au 10 mars 2013. Et les deux ont à voir avec la biodiversité qui est vraiment beaucoup à l'honneur cette année à Rennes, dans cette rentrée, puisque se déroule en ce moment, dans le cadre de Vivacité, dans plusieurs communes de la métropole, une opération appelée Curieux de nature. Hein, j'espère que vous vous y rendrez. Je crois que ça se déroule à Saint-Herblon et à Béton là, cette fin de semaine. C'est organisé par l'Espace des sciences et aussi par le festival Mythos. Hein, voilà. On s'associe pour faire des choses, je crois, très, très intéressantes. Ben alors, pour tout cela, ben c'est simple. Hein. Vous référez à toutes nos programmations, nos programmes, je vais y arriver. Voilà, donc vous avez ici, non, celui-là, je ne vous en parle pas, le programme du Festival des sciences pour le mois d'octobre, le nouveau Science Ouest qui vient de sortir, tout ce que vous devez savoir sur Curieux de nature, et puis bien sûr notre programme habituel jusqu'au mois de décembre. Cédric, vous êtes là, Cédric ? Cédric ? Je crois qu'il est en train de rajuster sa lavalière. Il va arriver. Voilà. Donc, un beau programme, je crois, aussi de conférences très, très variées à vous proposer. Vous pourrez vous en rendre compte. La semaine prochaine, ce sera un rendez-vous un peu particulier, puisqu'on parlera de l'avion du futur en relation avec l'anniversaire, le 80e anniversaire de l'aéroclub de Rennes-Ille-et-Vilaine. Bon, je crois qu'il faut que j'aille le chercher. Il doit avoir peur de rentrer. Vous avez vu comme il est timide, hein ? Cédric ? Bonsoir. Alors, que je vous précise pendant que Cédric branche son ordinateur, que cette conférence est filmée grâce à nos amis du CREA de l'Université Rennes 2 et qu'elle sera donc sur le site de l'Espace des sciences très prochainement. Vous pourrez donc la revoir si vous avez besoin d'une piqûre de rappel et ça me permet de remercier tout de suite Vincent, Henri et Jackie qui sont derrière les caméras ou en régie de leur présence. Et puis merci aussi à Jérôme et à Franck qui sont eux dans la régie des champs libres. Voilà, où on en est, Cédric, là ? On est tout bon ? Tout est bon ? Ouais. Super. Alors, je vais vous le présenter parce que ce monsieur, vous ne le connaissez pas, vous ne le voyez nulle part, bien sûr, en cette rentrée. Pas. Ah, il n'a pas l'ordinateur. Ça, c'est embêtant, c'est la régie. On va lui le donner. Vous voyez ce que c'est d'être scientifique, hein ? Avoir un scientifique chez soi, ça doit être super. Alors ? C'est un appel, Maëtte. S'il vous plaît. Non, j'ai plus l'âge, malheureusement, mais sinon.
Alors voilà, Cédric Villani, vous le voyez effectivement partout en ce moment. Je dois vous dire que quand nous l'avons invité pour venir nous faire cette conférence à l'Espace des sciences, on n'avait pas imaginé ce déferlement médiatique. Pourtant, on savait que le livre allait sortir. Mais alors, bon, alors je vous représente Cédric Villani, au cas où vous ne sauriez pas très bien qui il est. Si j'ai des bêtises, vous m'arrêtez, Cédric. Hein. Faites-moi confiance pour ça. Directeur de l'Institut Poincaré, professeur à l'Université Claude Bernard de Lyon, pur produit de l'enseignement français, école préparatoire, école normale supérieure, thèse à Paris Dauphine, sous la direction d'ailleurs d'un autre médaillé Fields, Pierre-Louis Lyons. On dit Lyons ou Lyon ? Lyons, oui. Lyons. Des séjours aux États-Unis ou encore au Japon ? Oui, un peu partout. J'étais au Brésil il n'y a pas longtemps, c'était mon 35e pays, je crois. Ah oui, pas mal, pas mal. Et puis, cette médaille Fields, reçue en 2010, la plus grande distinction de votre discipline, et qui vous a été remise en Inde, c'était lors d'un congrès, du congrès international de mathématiques. Alors tout ça, on le sait déjà, puisqu'on vous a reçu il y a 18 mois ici. Mais la nouveauté, bien sûr, c'est donc le livre de Cédric Villani, Théorème vivant, paru chez Grasset. Alors, je dois dire que j'ai envoyé un petit mot à Cédric en lui disant que j'avais lu avec beaucoup de plaisir ce livre, que j'avais trouvé les équations extrêmement esthétiques. Voilà, mais je vous assure que c'est un livre qui donne la pêche, parce que c'est un livre d'un passionné, où il y a des chapitres qui parlent de votre vie un peu, de votre vie personnelle, de l'engagement de votre famille dans votre parcours aussi, parce que c'est important. Un problème que tout chercheur doit résoudre. Voilà, des rencontres avec des scientifiques d'avant et de maintenant, hein, des contemporains, avec des petits portraits et de très jolies illustrations de Claude Gondard. Oui, hein, oui. Il a fait un très beau travail là-dessus. Et il y a un côté, effectivement, on en reparlera sans doute un peu après, mais il y avait une question de rendre à la fois les illustrations, c'était une façon de à la fois rendre les personnages incarnés, leur donner un visage, et en même temps garder un style d'ensemble qui avec une certaine unité graphique. C'était une bonne idée aussi de faire une petite biographie à chaque fois des scientifiques dont vous parlez, de nous les présenter quand on ne les connaît pas ou de les ramener à notre mémoire aussi. C'était une très très bonne idée. Des petites insertions comme ça, de petits interludes de type biographique, de type culturel. Alors on s'imagine toujours un peu quand on est loin de ce milieu scientifique que voilà, certains scientifiques ont des sortes de fulgurances. D'ailleurs, c'est un mot que vous utilisez pour Poincaré, des fulgurances, puis qu'après, voilà, ça coule de source. Quand on lit votre livre, on participe finalement, on se rend compte de tous les moments de joie, d'espoir, de découragement, les échanges de mails avec les amis et collègues. Ça, c'est extrêmement passionnant. Mais alors, moi, ce qui me frappe, c'est l'énergie qui se dégage de ce livre et de votre parcours. On a l'impression que vous êtes toujours battant. C'est vrai ou... Bien sûr. Est-ce que de temps en temps, vous avez un petit coup de fatigue comme ça ? Non, je n'ai jamais de petit coup de fatigue et jamais de découragement. D'ailleurs, il suffit de lire le livre. Blague à part, il y a un certain nombre de chapitres qui se terminent un peu dans le désespoir avant qu'un coup de théâtre vienne vous en sortir. Personne d'engagé dans une activité un peu à risque avec un fort engagement ne va pas connaître à un moment ou à un autre de moments où on est un peu bas, où on s'inquiète, où on perd l'espoir. Ça arrive forcément. Il faut savoir comment le surmonter. Alors, on découvre aussi Cédric Villani, le papa, qui raconte l'histoire de Korako. Ah oui, Korako. Le petit corbeau japonais. Le petit corbeau japonais. Vous savez, vous avez vos enfants en voyage, il faut les occuper des fois, et il faut trouver
comment aiguiser leur intérêt, comment les faire patienter quand il y a besoin, et puis les maintenir prêts à, vous savez, avant de s'endormir, il y a le petit moment qui est un petit moment d'excitation où on raconte une histoire, où on lit un livre ou quelque chose comme ça, qui vous permet après de vous endormir tranquille. Voilà, et puis on découvre aussi que Cédric Villani est un lecteur de manga, il peut même pleurer en lisant un manga, qu'il adore Neil Gaiman, et puis alors on découvre aussi ses goûts musicaux, alors ça c'est tout autre chose, mais c'est quand même très intéressant, et moi j'étais un peu stupéfaite, parce que de découvrir que vous nous parlez de Catherine Ribeiro, d'Henri Tachan, des gens formidables, souvent d'ailleurs des chanteurs engagés. Enfin, bon, c'est pas de votre âge, Cédric, quoi. C'est plus vieux que vous, ça. Non. Écoutez, toutes les musiques ont un côté intemporel à un certain moment. Quand ça parle d'émotions, ce sont des émotions éternelles. Et des personnages comme ceux que vous venez de citer, qui sont des chanteurs un peu uniques dans leur style, il n'y a pas tellement d'équivalent, ils gardent toujours leur modernité, leur actualité. Tout ça pour vous dire que ce livre est formidable, même si on n'est pas doué en mathématiques. Voilà, je voulais absolument que vous le sachiez. Et je citerai juste une phrase que l'on trouve à la page 40, où vous dites, en mathématiques, c'est comme dans un roman policier ou un épisode de Columbo. Le raisonnement par lequel le détective confond l'assassin est au moins aussi important que la solution elle-même. Exactement. Et c'est bien de ça qu'il est question souvent en mathématiques. Même quand on connaît la solution parfois ou quand on a l'intuition, c'est le raisonnement qui compte. Voilà, on va vous écouter avec plaisir, nous parler de Poincaré. Poincaré. Ouais. Et puis on se retrouve tout de suite après. Et vous savez qu'après, c'est vous qui avez la priorité pour les questions. Très très bonne soirée à tous. Merci Maëtte. Comme vous l'a dit Maëtte, effectivement, je suis déjà passé dans cette salle il y a 18 mois. Je pense que certains d'entre vous étaient là et puis d'autres n'y étaient pas. Pour ceux qui étaient là, vous retrouverez une partie de ce que je racontais il y a 18 mois. Ça n'est pas un problème. La répétition est une des bases de la pédagogie. Et de toute façon, vous le retrouverez sous un éclairage un peu différent. Et puis pour ceux qui n'étaient pas là, évidemment, je ne ferai pas comme si vous aviez assisté à la séance précédente. Il y a deux choses nouvelles depuis la dernière fois. Maëtte a dit qu'il y en a un, c'est cet ouvrage, Théorème vivant, dans lequel j'essaie de donner une vision assez impressionniste, parfois kaléidoscopique, de ce que c'est le quotidien et les émotions d'un chercheur en train de travailler, en train de plancher à réaliser une avancée mathématique. Et puis, l'autre événement par rapport à l'an dernier, c'est que nous sommes en 2012. Et 2012, c'est le centenaire de la mort d'Henri Poincaré. Ce sera une année en partie consacrée à Poincaré. Il y aura des diverses commémorations un peu à divers endroits en France. Donc, en même temps, ici, c'est à l'occasion de la sortie de l'ouvrage, c'est aussi à l'occasion de Poincaré que je suis heureux de faire cette conférence. Où on va parler de Poincaré, mais à travers Poincaré, on va parler de mathématiques et de mathématiciens. Mathématiques, c'est un monde qui est souvent considéré comme fascinant et très étranger. Les mathématiques ou la mathématique, j'aime bien le singulier, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit la seule science qui soit au pluriel. Et la mathématique, c'est comme toutes les autres sciences, dans ses buts premiers, dans ses vocations, sa vocation à décrire le monde, comprendre le monde, et agir sur le monde. Et ça, c'est pareil pour les autres sciences que pour la mathématique, y compris dans la fonction agir. Il n'y a pas une innovation technologique un tant soit peu développée aujourd'hui qui est développée sans qu'il y ait une part de mathématiques à l'intérieur. La part de mathématiques ne mobilise pas forcément beaucoup de monde, mais il y a forcément toujours un cœur mathématique à un moment ou à un autre. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Ce n'est pas forcément ce qu'on a en tête que c'est quelque chose aussi qui évolue énormément. La mathématique, telle qu'on l'apprend au lycée, ce n'est pas forcément un mal, on pourrait en discuter, mais ce n'est pas forcément un mal, c'est de la mathématique essentiellement qui s'est arrêtée en 1800.
toutes les autres sciences que vous apprenez au lycée, vous apprenez dans, pour toutes les autres sciences, vous apprenez des choses beaucoup plus récentes. Mais en mathématiques, ça s'arrête il y a 200 ans, et souvent, on en garde l'impression complètement erronée que c'est quelque chose qui n'évolue pas, qui a été figé, qui a été bien construit une fois pour toutes, un outil qui va servir au reste. Il n'y a rien de plus faux. La mathématique, ça évolue aujourd'hui plus rapidement que ça n'a jamais évolué par le passé, avec des milliers de chercheurs qui travaillent dur au service de la société, au service de la discipline qu'ils aiment, et souvent en association avec d'autres sciences, de plus en plus par les jours actuels. Mathématiques, c'est un très bon métier, avec une forte emprise sur la réalité, à tel point qu'il y a deux ans, il y a trois ans, le Wall Street Journal, dans son étrange, une opération étrange, ce classement de tous les métiers du monde, avait classé en première position mathématicien. Meilleur métier du monde, selon le Wall Street Journal. Pourquoi est-ce qu'ils ont pu considérer que c'était quelque chose de si bien? Précisément parce que c'était quelque chose de tellement puissant et tellement universel. C'est puissant, c'est miraculeux, et on a tendance à l'oublier, on ne s'en rend même pas compte à quel point c'est incroyable qu'en griffonnant des équations sur un bout de papier, vous arriviez à prédire le mouvement de planètes qui sont à des distances considérables, sur lesquelles aucun humain ne mettra jamais le pied, et qui ont des dimensions qui nous sont simplement, absolument incommensurables pour nous. Et pourtant, ça marche. C'est la puissance de la mathématique et de l'abstraction appliquée à la description du monde réel. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Pourtant, c'est un très bon métier. Pourtant, les vocations pour devenir mathématicien, ça n'a jamais été aussi en berne que ça n'est maintenant. Ça n'intéresse pas trop les gens. Pourquoi? Je ne sais pas trop. Mais peut-être qu'ils se disent que ce sont de longues études, ce sont des choses compliquées, bien du mal pour pas grand-chose, et puis qu'on n'a pas tellement la reconnaissance qu'on pourrait avoir. En tout cas, vous voyez beaucoup plus d'autres disciplines, d'autres métiers que mathématiciens en première page des journaux. Et évidemment, c'est un problème. S'il n'y a plus de mathématiciens, nous allons au-devant d'une catastrophe. D'ailleurs, le problème se pose pour toutes les sciences, un temps soit peu dur. C'est un problème aussi parce que ça coupe les chercheurs du reste de la société si personne ne parle d'eux. Ça rend les chercheurs aigris. Ça fait que la société se demande pourquoi elle paye ces gens-là, si on ne sait pas trop ce qu'ils font. Et puis, tout simplement, ça prive la société de bonnes occasions de faire des choses intéressantes. Et des conférences comme celle-ci, j'en ai fait des dizaines au cours des dernières années. À chaque fois, je suis émerveillé par l'enthousiasme du public. Littéralement, il y a des gens qui sont vraiment ravis d'entendre parler de science. Donc, c'est important d'entendre parler de science et de le faire par tous les canaux possibles. Alors, il y a le canal du livre tel que vous l'a présenté Maëtte, ce livre qui vous décrit pour la première fois, je pense, comment c'est au quotidien la vie d'un mathématicien avec les émotions, les sentiments contradictoires, le langage qu'il utilise au niveau de l'oral et au niveau de l'écrit, les rencontres, les rebondissements. Ça peut être sous forme d'articles, ça peut être sous forme de chroniques radio, ça peut être sous forme d'exposés, de vulgarisation, ça peut être aussi sous forme d'exposés historiques, comme on va le faire ce soir. Et bien sûr, tout cela est lié, ce sont des éclairages complémentaires. Ce soir, je vais rendre hommage à Henri Poincaré, l'un des plus grands mathématiciens que la France ait jamais connu, et le meilleur mathématicien, certainement, de son époque. Henri Poincaré, donc, disparu en 1912, c'est un monument, j'espère, j'ai bon espoir, qu'il pourra bientôt être honoré au Panthéon, et Poincaré... Évidemment, c'est un tel monument que si on se met à lui rendre hommage de manière très déférente, ça va être complètement sacralisant. Alors, on va lui rendre hommage de manière un peu impertinente en insistant sur ses erreurs. De toute façon, comme vous allez le voir, ce gars-là ne fait jamais rien qui soit inintéressant et ses erreurs étaient extrêmement intéressantes. Poincaré, il est intéressant non seulement en tant que très grand scientifique, mais aussi en tant qu'écrivain, vulgarisateur, en tant que passeur. C'est un des très rares à avoir écrit sur la place de la science et sur la place du mathématicien et sur la sociologie du mathématicien, comment un mathématicien travaille, et sur la pensée. Voici une belle citation de Poincaré. « La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. »
Et la pensée, évidemment, c'est quelque chose qui fascinait Henri Poincaré. Une petite chronologie pour commencer. Jules-Henri Poincaré, né en 1854 à Nancy. Il connaît donc la guerre et l'occupation allemande quand il est adolescent. Il apprend la langue et la culture allemande à cette occasion. Et à la fois, toute sa vie, il sera en collaboration et en compétition avec des mathématiciens allemands. L'école mathématique allemande était peut-être la plus développée à cette époque-là. Et en même temps, il gardera toute sa vie le traumatisme de la guerre. En 1873, il entre à l'école polytechnique. Il devient ingénieur et docteur. Toute sa vie également, il gardera le double cursus et la double casquette d'ingénieur et d'universitaire. Son premier poste d'assistant professeur est à Caen. 1881, c'est la grande année où à la fois il se marie, devient professeur à la Sorbonne et obtient ses premiers vrais grands résultats qui le font connaître à l'international. 1887, une date charnière qu'on évoquera, le prix du roi Oscar II, qui lui assure une reconnaissance et une célébrité, même en dehors de la sphère des scientifiques. À partir de ce moment, Poincaré devient un personnage public et un des très rares scientifiques à avoir été connu du grand public simplement par son activité de chercheur, sans chercher particulièrement à communiquer. La presse parle de Poincaré dans un des livres qui était tout à l'heure en exposition mis en exposition par la librairie Le Fayet, il y avait cet ouvrage récemment paru où on analyse Poincaré à travers des articles de journaux de l'époque. Ça, c'est extrêmement rare pour un scientifique. Expert au procès Dreyfus, en 1899 puis en 1904, c'est lui qui a été désigné par ses pairs pour témoigner devant le tribunal que certaines des preuves soi-disant mathématiques qu'on envoyait contre Dreyfus n'étaient que du vent. Il y avait une théorie complètement démente, inventée par un célèbre scientifique d'ailleurs, qui est l'un des pères de la police scientifique telle qu'on la connaît maintenant, mais une théorie qui était absolument démente, selon laquelle Dreyfus aurait lui-même plagié sa propre écriture. Vous voyez déjà le genre d'esprit tordu qu'il faut avoir pour ça, et le tout justifié avec de savants calculs de probabilité. Et c'est Poincaré qui a été envoyé au front, si j'ose dire, pour démonter la théorie. À partir de 1901, Poincaré renforce sa présence dans le grand public de manière importante avec des ouvrages grand public extrêmement intéressants. Je vous en lirai quelques petits extraits tout à l'heure. Ouvrage à la fois profond et accessible. Et Poincaré est reconnu à l'étranger, pas tellement en France, mais à l'étranger, souvent reconnu comme un scientifique, comme un philosophe des sciences majeur du XXe siècle. 1910, j'ai noté son examen par le docteur Toulouse, qui cherchait à comprendre les secrets de l'intelligence et se disait que Poincaré, c'était un tel génie que forcément, il allait apprendre quelque chose en l'étudiant de près. Essentiellement, il n'en a rien appris, parce qu'on sait bien que l'intelligence, c'est très dur à quantifier et à étudier. Poincaré meurt en 1912 à Paris. Voici la carte de tous les déplacements principaux occupés par Poincaré dans sa vie professionnelle, où l'on voit qu'il n'a pas tellement bougé. C'était un homme du Nord, à la vue basse, pas très sportif, qui se méfiait d'ailleurs des hommes du Sud qu'il voyait comme assez fanfarons et bravaches. C'était quelqu'un de réfléchi. Assez remarquable que ça ait pu devenir un véritable héros national. Avec, quand Poincaré est mort, c'était la grande affaire, les funérailles nationales. Tout le monde savait que le meilleur savant de France était mort, et ainsi de suite. On confond souvent Henri Poincaré avec son cousin Raymond. Raymond Poincaré, qui lui a été seulement président de la République et qui en particulier a été président de la République pendant la Première Guerre mondiale, à une époque où ce n'est pas forcément lui qui avait les pouvoirs les plus importants. Il était en rivalité, ce cher Poincaré, avec Clémenceau, c'était son grand adversaire, mais il a dû l'appeler au pouvoir à un moment clé. Clémenceau, qui n'était jamais avare de vacherie, a dit à un moment qu'il y avait décidément beaucoup d'intelligence dans la famille Poincaré,
mais que malheureusement, c'était Henri qui avait tout pris. Malgré la boutade de Clémenceau, Raymond Poincaré est encore très présent dans les esprits, et très souvent, vous entendez des gens qui confondent l'un et l'autre. L'exemple vient de haut, puisque pour ceux qui ont vu peut-être la semaine dernière l'émission, le grand journal dans lequel je passais, où l'on parlait de mon ouvrage précisément, il y avait le ministre Vincent Peillon qui a expliqué, hein, il a voulu frimer un petit peu peut-être, et puis passer un peu de brosse sur notre invité. J'aime beaucoup Vincent Peillon, et je pense que c'est un très bon ministre, mais là il a voulu dire quelque chose de gentil à mon égard et a expliqué que je dirigeais l'Institut Raymond Poincaré. Je n'ai pas relevé parce que je suis un garçon gentil. Mais il s'agit bien de Henri Poincaré, le scientifique. C'est de lui que nous parlerons ce soir. Et ici, précisément, l'Institut Henri Poincaré, dans le 5e arrondissement parisien, que j'ai l'honneur et le plaisir de diriger depuis 3 ans maintenant. Vous voyez, l'Institut Henri Poincaré, c'est un peu comme la maison des mathématiciens. Ça abrite mathématiques et physique théorique, et ça accueille chaque année des centaines de chercheurs invités qui travaillent dans tous les secteurs de la mathématique et de la physique théorique et qui viennent d'un peu tous les pays du monde. C'est vraiment le point de rencontre de la communauté. C'est aussi le lieu qui héberge toutes les sociétés savantes de mathématiques et les associations nationales de défense de la mathématique. Ici, cette image a été prise lors de la célébration du bicentenaire de la naissance d'Évariste Galois en 2011, un autre monstre sacré de la mathématique française. Donc, 100 ans après la mort d'Henri Poincaré, quelque chose qui reste et qui est indéracinable, c'est cet institut qui a été fondé en 1928, à un moment où, dans l'après-guerre, il fallait redynamiser les échanges scientifiques dans une France qui était complètement exsangue, également du côté scientifique. Henri Poincaré, c'est aussi un prix mathématique extrêmement prestigieux en physique mathématique. Et si vous avez regardé un peu l'actualité pendant l'été, vous avez peut-être vu passer la nouvelle que cet été, 2 jeunes mathématiciennes françaises ont été distinguées par ce prix Henri Poincaré. C'était la première fois d'ailleurs que le prix allait à des filles. Le prix Henri Poincaré est attribué aussi bien à de jeunes chercheurs très prometteurs qu'à des chercheurs plus seniors qui ont fait leurs preuves et qui sont devenus des monuments dans la discipline. Ici, les Américains Barry Simon et Freeman Dyson. Et donc ici, Nalini Nantharaman et Sylvia Serfati. Donc Henri Poincaré, c'est aussi le prix le plus prestigieux de physique mathématique. Cette branche de la mathématique où on étudie des phénomènes physiques par le biais mathématique, de manière entièrement interne à la mathématique, avec cependant un va-et-vient constant vers la physique. Henri Poincaré, 100 ans après, ça va être quoi aussi? Qu'est-ce qu'il en reste dans l'imaginaire collectif ou pour le public? Ici, vous avez une caricature intéressante où Poincaré, avec ses sourcils en bataille et sa barbe, en train d'écrire sur la nappe d'un restaurant, sans doute, symbolise bien le savant complètement obsédé par son problème, avec ses fulgurances, comme on disait tout à l'heure, assez sympathique et en même temps un peu perdu. C'est un roman, Henri Poincaré, tout récent, All Cry Chaos, un roman, vous voyez ici, un Henri Poincaré Mystery, un roman dans lequel le héros est un descendant de Henri Poincaré et utilise ses talents mathématiques pour résoudre l'énigme. Ici, vous voyez Henri Poincaré à l'occasion d'une conférence grand public donnée par Étienne Gys, à l'occasion de la célébration de la résolution de la conjecture de Poincaré, et pour des raisons pédagogiques, dans le plan complexe, Étienne Gys s'était amusé, comme on le voit sur cette image, à élever Poincaré au carré. Ici, la plaque, le moulage plâtre de la plaque qui a été installée sur la façade de l'Institut Henri Poincaré, une allégorie. C'est le même graveur qui a effectué cette plaque et qui a réalisé les images pour mon livre, les images que commentait Maët tout à l'heure.
Claude Gondard. Vous voyez ici Henri Poincaré entre diverses, au milieu de diverses représentations de certaines de ses théories les plus célèbres. La conjecture de Poincaré et la naissance de la topologie, et ici la représentation d'une sphère de dimension 4, une sphère de dimension 3 dans l'espace à 4 dimensions, projetée dans notre espace. Et c'est en tout cas c'est un objet central dans la conjecture qui a été résolue il y a quelques années par Grigori Perelman dans cet épisode qui avait défrayé la chronique il y a quelques années. Ici, l'attracteur de Lorentz, dont je reparlerai dans la conférence. Et puis ici, d'autres. Ici, un rappel des fonctions fuchsiennes, dont je parlerai tout à l'heure. Ici, ainsi que Henri Poincaré. Notez que le graveur facétieux a mis des points qui sont carrés. Poincaré, c'est aussi une source inépuisable de citations, souvent profondes et toujours pleines de bon sens, qui s'applique dans beaucoup de circonstances. Douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions également commodes qui, l'une et l'autre, nous dispensent de réfléchir. Ici, dans la suivante, vous voyez un Poincaré très idéaliste. La recherche de la vérité doit être le but de notre activité. C'est la seule fin qui soit digne d'elle. Ici, une intéressante vision de la science. Le savant doit ordonner. On fait la science avec des faits, comme une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est une maison. Cette idée, jolie, hein, joliment tournée, que le savant, c'est quelqu'un qui ordonne, qui trouve des principes, des fils conducteurs. En mathématiques, on connaît ça très bien, et on va le voir dans cette conférence, trouver des grands principes qui permettent d'ordonner et de comprendre des phénomènes sous-jacents à ce que nous observons. La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Et puis, la dernière qui parle de la création mathématique, la faculté qui nous apprend à voir, c'est l'intuition. Sans elle, le géomètre, quand il dit géomètre, comprenez mathématicien, serait comme un écrivain qui serait ferré sur la grammaire, mais qui n'aurait pas d'idée. Et Poincaré est connu et resté célèbre pour son insistance sur le rôle de l'intuition dans la création scientifique et dans l'appréciation de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas en science. Vous n'avez pas besoin de savoir lire ça, c'est juste pour moi pour pouvoir vous le lire. Vous pouvez fermer les yeux si vous le voulez. On va replonger un peu dans la tête de Poincaré et le texte que je vais vous lire est l'un des très rares témoignages de mathématiciens qui évoquent des circonstances dans lesquelles il découvre. Il est clair, même si je n'en avais pas conscience, il est clair pour moi que j'ai été influencé par l'existence de textes de ce style quand j'ai écrit mon ouvrage Théorème vivant. C'est le fameux épisode du marchepied, très connu en particulier pour tous ceux qui s'intéressent aux sciences cognitives. Il est temps, nous dit Poincaré, de pénétrer plus avant et de voir ce qui se passe dans l'âme même du mathématicien. Pour cela, je crois que ce que j'ai de mieux à faire, c'est de rappeler des souvenirs personnels. Je vous demande pardon, je vais employer quelques expressions techniques, mais elles ne doivent pas vous effrayer, vous n'avez aucun besoin de les comprendre. Je dirais, par exemple, j'ai trouvé la démonstration de tel théorème dans telle circonstance. Ce théorème aura un nom barbare, que beaucoup d'entre vous ne connaîtront pas. Mais cela n'a aucune importance. Ce qui est intéressant pour le psychologue, ce n'est pas le théorème, ce sont les circonstances. Depuis 15 jours, je m'efforçais de démontrer qu'il ne pouvait exister aucune fonction analogue à ce que j'ai appelé depuis les fonctions fuchsiennes. J'étais alors fort ignorant. Tous les jours, je m'asseyais à ma table de travail, j'y passais une heure ou deux, j'essayais un grand nombre de combinaisons et je n'arrivais à aucun résultat. Un soir, je pris du café noir, contrairement à mon habitude. Je ne pus m'endormir. Les idées surgissaient en foule. Je les sentais comme se heurter jusqu'à ce que deux d'entre elles s'accrochassent, pour ainsi dire, pour former une combinaison stable. Le matin, j'avais établi l'existence d'une classe de fonctions fuchsiennes, celle qui dérive de la série hypergéométrique. Je n'eus plus qu'à rédiger les résultats, ce qui ne me prit que quelques heures. Je voulus ensuite représenter ces fonctions par le quotient de deux séries. Cette idée fut parfaitement consciente et réfléchie. L'analogie avec les fonctions elliptiques me guidait.
je me demandais quelles devaient être les propriétés de ces séries si elles existaient, et j'arrivais sans difficulté à former les séries que j'ai appelées thêta-fuchsiennes. À ce moment, je quittais Caen, que j'habitais alors, pour prendre part à une course géologique entreprise par l'école des mines. Les péripéties du voyage me firent oublier mes travaux mathématiques. Arrivés à Coutances, nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais quelle promenade. Au moment où je mettais le pied sur le marchepied, l'idée me vint, sans que rien de mes pensées antérieures parût m'y avoir préparé, que les transformations dont j'avais fait usage pour définir les fonctions fuchsiennes sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Je ne fis pas la vérification. Je n'en aurais pas eu le temps, puisque, à peine assis dans l'omnibus, je repris la conversation commencée. Mais j'eus tout de suite une entière certitude. De retour à Caen, je vérifiai le résultat à tête reposée pour l'acquis de ma conscience. Je me mis alors à étudier des questions d'arithmétique sans grand résultat apparent et sans soupçonner que cela pût avoir le moindre rapport avec mes recherches antérieures. Dégoûté de mon insuccès, j'allais passer quelques jours au bord de la mer et je pensais à toute autre chose. Un jour, en me promenant sur une falaise, l'idée me vint, toujours avec les mêmes caractères de brièveté, de soudaineté et de certitude immédiate, que les transformations arithmétiques des formes quadratiques ternaires indéfinies sont identiques à celles de la géométrie non euclidienne. Étant revenu à Caen, je réfléchis sur ce résultat et j'en tirai les conséquences. L'exemple des formes quadratiques me montrait qu'il y a des groupes fuchsiens autres que ceux qui correspondent à la série hypergéométrique. Je vis que je pouvais leur appliquer la théorie des séries thêta-fuchsiennes et que par conséquent, il existe des fonctions fuchsiennes autres que celles qui dérivent de la série hypergéométrique, les seules que je connusse jusqu'alors. Je me proposais naturellement de former toutes ces fonctions, j'en fis un siège systématique et j'enlevai l'un après l'autre tous les ouvrages avancés. Il y en avait un cependant qui tenait encore et dont la chute devait entraîner celle du corps de place. Mais tous mes efforts ne servirent d'abord qu'à mieux me faire connaître la difficulté, ce qui était déjà quelque chose. Tout ce travail fut parfaitement conscient. Là-dessus, je partis pour le mont Valérien, où je devais faire mon service militaire. J'eus donc des préoccupations très différentes. Un jour, en traversant le boulevard, la solution de la difficulté qui m'avait arrêté m'apparut tout à coup. Je ne cherchais pas à l'approfondir immédiatement, et ce fut seulement après mon service que je repris la question. J'avais tous les éléments, je n'avais qu'à les rassembler et à les ordonner. Je rédigeai donc mon mémoire définitif d'un trait et sans aucune peine. Alors voilà un témoignage assez incroyable. Ainsi, on récapitule. Le bon Poincaré, il nous explique qu'il y a des moments où il réfléchit comme un dingue, la nuit, à coup de café et qui sait quoi. Il a un vocabulaire guerrier pour décrire son action. C'est comme un général de bataille qui livre une guerre farouche. Et puis, de temps en temps, il est complètement au contraire, il pense à toute autre chose, il se distrait et paf, la solution survient. Ça lui arrive une fois, deux fois, trois fois. C'est assez remarquable. Alors, pour les conseils, pour les jeunes, le jour où vous voulez un contrôle qui arrive ou quelque chose, vous avez besoin de sortir, faire la fête, vous expliquez que vous appliquez la méthode Poincaré. Vous allez vous distraire pour que l'illumination survienne et résolve le problème qui vous a posé tant de soucis dans les heures qui ont passé. Et plus sérieusement, là, ce qui nous montre Poincaré, c'est que le fonctionnement du cerveau, c'est très difficile à cerner. On a envie de dire non linéaire, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça réfléchit en sourdine, sans qu'on le sache. Et évidemment, des fois, on est en train de réfléchir sans même s'en rendre compte. Il y a plusieurs éléments qui sont similaires à des procédés que j'ai adoptés dans mon ouvrage, d'ailleurs. L'un, et je pense que Poincaré est l'un des seuls à faire ça, c'est l'usage des mots bruts, des mots tels qu'ils sont, tel qu'avec le vocabulaire, le jargon mathématique, sans adoucissement. D'une part, parce que ça permet d'évoquer précisément ce qui s'est passé. D'autre part, parce que tout de suite, vous voyez que ça parle de fonction fuchsienne ou d'état fuchsienne, il n'y a pas la définition, c'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Et vous voyez qu'en lisant ce texte, vous ne pouvez pas essayer de comprendre de quelle mathématique il s'agit. Vous êtes forcé de vous concentrer sur les émotions et le processus de réflexion de Poincaré. Toute votre attention va être sur ce front-là et vous n'allez pas disperser vos forces sur le front de la compréhension mathématique.
Et c'est une des raisons sans doute paradoxales pour laquelle ce texte, qui est plein de jargon, est beaucoup plus connu, est un des plus connus qui soit sur la réflexion mathématique, y compris par des personnes qui ne connaissent absolument rien aux sciences mathématiques. En vous délivrant de la compréhension du problème de comprendre le sens mathématique, il vous force à vous concentrer sur tout ce qui est cognitif et tout ce qui est processus de réflexion. Poincaré, dans un autre de ses textes, où il s'interroge sur le statut des sciences mathématiques, nous parle des erreurs. Voici ce qu'il nous dit. Il réfléchit, hein, il s'interroge sur le processus de réflexion, sur l'intuition, sur nos mécanismes mentaux. Un premier fait doit nous étonner, ou plutôt devrait nous étonner, si nous n'y étions si habitués. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas les mathématiques ? Alors, on lit ça, on se dit, oui, il est gentil, Poincaré. Évidemment, lui, il comprend tout, mais évidemment, ce n'est pas si naïf que ça. Quand Poincaré dit ça, il y a un message plus profond que celui-ci. Et il développe. Si les mathématiques n'invoquent que les règles de la logique, celles qui sont acceptées par tous les esprits bienfaits, si leur évidence est fondée sur des principes qui sont communs à tous les hommes et que nul ne saurait nier sans être fou, comment se fait-il qu'il y ait tant de personnes qui y soient totalement réfractaires ? Et là, il a raison, il a un point. En mathématiques, vous pouvez tout vérifier par vous-même. Il suffit d'appliquer les règles et vous pouvez déterminer par vous-même si quelque chose est juste ou faux. C'est différent de toutes les autres sciences. Si on vous donne une loi biologique, si on vous dit par exemple que les êtres vivants ont besoin de respirer pour vivre, ou en tout cas les mammifères, pour le vérifier, vous êtes bien embêté, à moins de faire des expériences en étouffant votre voisin, ou en arrêtant de respirer, ou en faisant qui sait quoi. Qu'est-ce que c'est la respiration ? Ça va vous prendre un temps considérable. Alors qu'en mathématiques, il suffit d'appliquer les règles et vous savez si c'est vrai, oui ou non, s'il y a une faute ou pas. Donc on pourrait penser que tout le monde peut comprendre les mathématiques. Et la dure réalité, c'est que non. Et que même pour un mathématicien, c'est difficile d'aligner les raisonnements mathématiques. La vérité, c'est que notre cerveau, il n'est pas mathématique. Même si les règles de la logique, quand on les décortique, sont des règles qu'on accepte tous, on ne peut pas avoir à la fois une chose et son contraire, par exemple, même si ces règles prises individuellement, on les accepte, le fait de les combiner dans un édifice qui est entièrement cohérent, ça, ce n'est pas naturel. On n'a pas été formé pour ça, et notre cerveau a été entraîné à réagir et à réfléchir avec d'autres mécanismes. Des mécanismes émotifs, émotionnels, souvent parfaitement irrationnels, mais très efficaces pour nous sortir des problèmes dans la plupart des situations. Dans le texte suivant, je vais juste garder la dernière phrase, est-il nécessaire d'ajouter que les bons mathématiciens eux-mêmes ne sont pas infaillibles ? Poincaré dit ça, et effectivement, lui-même, ce n'était pas un modèle de rigueur. Quand on lit les démonstrations de Poincaré, souvent, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'il a démontré. Et ça lui est arrivé de faire des erreurs grossières, je ne dirais pas, mais des erreurs lourdes de conséquences. On va en parler. Alors, Poincaré a été attaqué dans la presse à certains moments, et on le voit dans cet ouvrage de recueil d'articles de journaux sur Poincaré dont je parlais, pour des motifs absolument, pour de mauvais motifs. Il s'agissait plutôt d'erreurs de communication que de vraies erreurs. Par exemple, un jour, Poincaré a dit « Dire que la Terre tourne, cela aurait-il un sens ? S'il n'y a pas d'espace absolu, peut-on tourner sans tourner par rapport à quelque chose ? Et d'autre part, comment pourrions-nous admettre la conclusion de Newton et croire à l'espace absolu ?» Et un peu plus bas, ces deux propositions contradictoires, la Terre tourne et la Terre ne tourne pas, ne sont donc pas cinématiquement plus vraies l'une que l'autre. Affirmer l'une en niant l'autre au sens cinématique, ce serait admettre l'existence de l'espace absolu. Ce qu'a voulu dire Poincaré, on le comprend très bien, surtout maintenant où la relativité est passée par là, et toute la notion que tout mouvement est relatif, savoir si un mouvement se passe ou pas, c'est aussi avoir fixé un référentiel, un point de référence. Et Poincaré a développé donc ce point. C'est plutôt bien écrit. Mais entre les lus par des lecteurs peu avertis, c'est devenu Poincaré renie Galilée.
Et la controverse se développe dans les journaux. Le saint mathématicien français déclare que la Terre ne tourne pas, une révolution scientifique et tout ce que vous voulez. Et le courrier des lecteurs avec les garçons furieux et les jeunes filles en pleurs parce que tout ce qu'ils ont appris s'écroule, que la Terre ne tourne pas, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça, c'était une erreur de communication, aussi dans un contexte où le grand public était moins instruit qu'il n'est de nos jours. Mais Poincaré aussi s'est manifesté pour de vraies erreurs mathématiques, des vraies erreurs de spécialistes. La plus célèbre, sans conteste, c'est celle qu'il a commise en 1887 sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique. Je vais vous rappeler un petit peu le contexte. C'était le problème de la stabilité du système solaire, l'un des problèmes les plus anciens de la physique mathématique, un problème dont je vous parlais déjà il y a 18 mois. Un problème placé sous le signe de la compréhension des propriétés du système solaire et la réponse aux questions qu'on peut poser quand on est gamin. Qu'est-ce qui va se passer que notre univers, est-ce qu'il va rester tel qu'on le connaît ou est-ce qu'un jour une grande catastrophe va se produire? Kepler nous a appris que les planètes tournent autour du Soleil en formant des ellipses. Je vous rappelle la définition d'une ellipse. Une ellipse, c'est une figure que vous obtenez en plantant une corde avec deux piquets et en tirant la corde autant que vous voulez et en traçant la courbe que vous arrivez à former avec cette corde tendue. La figure qu'on obtient était connue depuis l'Antiquité grecque, mais c'est là, vous voyez, le miracle de la mathématique à l'œuvre. Personne parmi les Grecs aurait pu deviner que cette même figure toute simple, elle permettait de décrire le mouvement des planètes. Il y a quelque chose de miraculeux derrière ça. Kepler décrivait cette formule. Kepler nous donne une seconde loi selon laquelle les airs sont balayés uniformément au cours du mouvement des planètes. Et puis une troisième loi qui relie le carré de la période de rotation des planètes autour du Soleil et la distance du Soleil à la planète considérée. Ou si vous voulez, dans l'ellipse, le demi-grand axe, comme on dit, la moitié de la grande longueur. Et cette relation, là aussi, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Vous prenez les planètes, vous regardez le temps qu'elles mettent à tourner autour du Soleil, comptez en années terrestres, par exemple, l'année martienne, c'est 1,9 fois l'année terrestre. Et puis, de l'autre côté, vous regardez les distances moyennes par rapport à la distance Soleil-Terre, la distance Soleil-Mercure, Soleil-Vénus, et ainsi de suite. Et dans ce jeu d'unités, vous avez pris 1 pour la Terre, si vous faites le carré du nombre qui est à gauche et le cube du nombre qui est à droite, vous trouverez la même chose pour toutes les planètes, avec une très bonne précision. Ça, c'est remarquable, et vous trouvez là une belle loi mathématique derrière des objets célestes très différents. Voltaire, à une époque où les physiciens, où les philosophes, pardon, s'intéressaient très près aux progrès technologiques et aux sciences fondamentales de son temps, nous écrit Kepler, qui trouva cette proportion, était bien loin d'en trouver la raison. Un bon philosophe qu'astronome admirable, il dit que le Soleil a une âme, non pas une âme intelligente, mais une âme végétante, agissante. Qu'en tournant sur lui-même, il attire à soi les planètes, mais que les planètes ne tombent pas dans le Soleil parce qu'elles font une révolution sur leur axe. En faisant cette révolution, dit-il, elles présentent au Soleil tantôt un côté ami, tantôt un côté ennemi. Le côté ennemi est repoussé, ce qui produit le cours annuel des planètes dans les ellipses. Il faut avouer, pour l'humiliation de la philosophie, que c'est de ce raisonnement si peu philosophique qu'il avait conclu que le Soleil devait tourner sur son axe. L'erreur le conduisit par hasard à la vérité. Vous voyez donc dans ce texte, écrit longtemps avant Poincaré, le rôle de l'erreur et comment Voltaire insiste sur ce fait que le savant à l'œuvre et l'astronome admirable Kepler ne parvient pas à son résultat par un raisonnement logique, mais par une pure fadaise, associée avec une excellente intuition de qu'est-ce qu'il faut regarder. Là encore, cette même idée que Poincaré développera et redéveloppera, selon laquelle ce n'est pas forcément un raisonnement logique et méthodique qui vous mène au résultat intéressant. Kepler ajoute, nous dit Voltaire, que la masse du Soleil, la masse de tous les terres et la masse des sphères étoiles fixes sont parfaitement égales et que ce sont les trois symboles de la très sainte Trinité. Bon,
ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires, et puis, pourtant, c'était grandiose, Kepler. Plus tard, arrive un autre illuminé. Dans l'histoire de la science, si on en a connu un qui était à la fois génial et illuminé, c'est bien lui. Hein ? À la fois un spécialiste d'alchimie et le fondateur de la science moderne de certains points de vue. Avec son ouvrage, Les Principia Mathematica, un ouvrage d'une puissance inégalée, dans lequel il développe le concept d'équations différentielles appliquées à la description du monde physique. Une avancée, certains physiciens comme Einstein ont dit que c'était l'avancée la plus importante peut-être jamais faite par un scientifique. Et Newton découvre les lois mathématiques qui permettent de mettre en équation ce mouvement des planètes qui semble insaisissable avec une seule loi qui vient remplacer les trois lois de Kepler, la force entre deux planètes est proportionnelle au produit des masses divisé par le carré de la distance entre les planètes. Avec une seule loi, Newton retrouve les lois de Kepler et, comme on le comprendra plus tard, il faudra encore un bon siècle avant qu'on arrive à vérifier ça, la loi de Newton permettait d'expliquer toutes les observations astronomiques de l'époque. Ça, c'est remarquable. Et là, vous voyez une illustration magnifique de ce que disait Poincaré, que faire de la mathématique, donner le même nom à des choses différentes. Là où on voit des étoiles, des planètes, des comètes et tout ça, Newton voit un principe, la gravitation universelle. Et Newton comprend, et c'est son grand effroi, qu'il arrive à retrouver les lois de Kepler avec le Soleil et la planète. Le fait que la planète est attirée par le Soleil, ça vous permet d'expliquer le mouvement elliptique de la planète autour du Soleil. C'est le problème des deux corps. Le Soleil, c'est un corps, la planète, c'est le deuxième corps. Et puis maintenant, vous mettez un troisième corps. Allez, mettons le Soleil, la Terre et la Lune. Comme la gravitation est universelle, la Lune attire la Terre. Et ça fait que la Terre n'est pas soumise seulement à l'action du Soleil, mais aussi à l'action de la Lune. Ça va dévier un peu la trajectoire de la Terre. Est-ce que pour autant, on va avoir une belle orbite elliptique ? Ben non. L'orbite sera plus elliptique. Est-ce que ça sera presque elliptique ? Est-ce que ça ressemblera à une ellipse ? Probablement, au moins pendant quelques années. Ouais, mais si on attend très longtemps, est-ce que ça ressemblera encore à une ellipse ? Voilà le problème des trois corps. Quand vous avez trois corps et la gravitation universelle, que faire ? Vous avez le bon modèle mathématique, vous n'avez pas d'arguments physiques qui vous permettent de conclure. Aucune loi, comprend Newton en particulier, n'interdit que le système solaire soit soumis à des événements catastrophiques. C'était ce problème de la stabilité du système solaire. Je vous en parlais déjà donc lors de mon dernier passage à Rennes, mais c'est un problème fondamental, non seulement, pas tellement pour la question des applications, parce que savoir si le système solaire va s'écrouler ou pas dans un million d'années, ce n'est pas quelque chose qui nous tient directement à cœur, encore qu'on pourrait discuter de ça. Je me souviens de ma fille extrêmement perturbée par le fait que le Soleil va s'éteindre dans quelques milliards d'années, extrêmement perturbée. On pourrait discuter de ça, mais surtout, c'est un peu une question emblématique. Est-ce qu'on va arriver à prévoir sur de très grands temps l'avenir d'un système qui est déterminé par des équations qu'on connaît bien ? Dans ce problème, il faut prendre conscience qu'on a affaire à des échelles d'espace extrêmement différentes. La Terre, Vénus, Mars sont de taille à peu près similaire. Mais Jupiter et Saturne sont bien plus grosses. Regardez la Terre par rapport à Jupiter. Et tout ça, c'est vraiment de la rigolade, excusez-moi, par rapport au Soleil. Ici la Terre, ici le Soleil. Et dites-vous bien que le Soleil, par rapport à de grosses étoiles, c'est une étoile minuscule. Mais si on s'intéresse qu'au système solaire, évidemment, c'est vrai que vu de la Terre, il va y avoir l'influence du Soleil et l'influence de Jupiter, mais quand même, c'est surtout le Soleil qui va dominer. Il y a donc un petit paramètre, c'est la masse de Jupiter par rapport à la masse du Soleil. C'est de l'ordre de 1 millième. Et on se retrouve avec un problème mathématique. Vous avez un système que vous comprenez bien, qui serait
la Terre en interaction avec le Soleil sans l'interaction avec les autres, dans lesquelles vous n'avez pas la masse d'autres planètes, et puis vous perturbez un peu votre système avec l'action de ce petit paramètre qui est la masse de Jupiter relative à la masse du Soleil. Qu'est-ce qui va se passer pour le système perturbé ? Une petite déviation sur votre système, et qu'est-ce que ça implique sur le grand temps ? Newton avait conscience à quel point ses équations autorisaient les événements graves, et il pensait qu'il y avait une volonté divine à l'œuvre pour maintenir la stabilité du Soleil. C'était le début d'une controverse qui mêlait des philosophes, des scientifiques. Mais les mathématiciens, Lagrange, Laplace et Gauss, se sont remis à l'œuvre avec ces équations. Et avec les équations de Newton, en les analysant finement, on réussit à montrer que le temps qu'il fallait attendre avant que la petite perturbation fasse son effet était très grand. Qu'est-ce que ça veut dire très grand ? Si vous avez une petite perturbation, alors un nombre qui est petit en mathématiques, on le note souvent epsilon, et c'est le pouvoir des notations pour avoir une puissance évocatrice, epsilon entre mathématiciens, on voit tout de suite c'est un nombre petit. Vous avez un nombre epsilon qui est petit, vous regardez quand est-ce que les effets d'une perturbation d'autre epsilon se font sentir, typiquement, c'est l'inverse de epsilon. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Si votre compte en banque perd un millième chaque année, au bout de 1000 ans, qui est l'inverse d'un millième, vous avez la faillite. Regardons le système solaire. On a une perturbation qui est de l'ordre d'un millième, qui s'applique tous les ans, parce qu'une année, c'est l'échelle de temps typique, un tour de la planète autour du système solaire. Si c'est de l'ordre d'un millième, on peut penser qu'au bout de 1000 ans, le système solaire risque une catastrophe. On sait que ce n'est pas vrai, parce que il y a des milliers d'années, on avait déjà un système solaire qui ressemblait à ce qu'il est maintenant. On a des archives astronomiques sur ces ordres de grandeur. Ce qui se passe, c'est que, et seule l'analyse mathématique le montre, il faut attendre un temps beaucoup plus grand avant que les effets se produisent. Ceci parce que les erreurs, elles ne sont pas toutes dans le même sens. Ce n'est pas comme votre compte en banque qui descend sans arrêt. Les erreurs, dans le cadre du système solaire, un coup ça augmente, un coup ça diminue, un coup ça augmente, un coup ça diminue, de sorte qu'au bout de 1000 ans, vous n'avez presque pas bougé. Il faut attendre non pas 1000 ans, mais 1 million d'années, 1000 fois 1000, avant que les erreurs aient une chance de se manifester. Voilà ce qu'on comprend au XVIIIe siècle. Et là, c'était un triomphe mathématique, un triomphe pour l'esprit humain. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on pouvait prédire l'avenir du système solaire sur des échelles de temps beaucoup plus longues que tout ce que les archives astronomiques pouvaient fournir, même beaucoup plus longues que l'espèce humaine. Donc, 1 sur epsilon carré, ça, c'était une avancée remarquable. Mais le mathématicien n'est jamais satisfait. Il veut savoir ce qui va se passer au bout d'un milliard d'années, peut-être. C'est ici qu'arrive le problème, c'est ici qu'arrive Poincaré. Poincaré reprend ce problème 1887, donc on est à peu près un siècle après Laplace, Lagrange et Gauss. Et il étudie un problème qui est encore plus simple que le problème des trois corps, on l'appelle le problème restreint des trois corps, dans lequel l'un des trois corps va être de masse nulle. Ce qui veut dire en fait qu'il va subir l'influence des deux autres, mais qu'il ne va pas influencer sur ces deux-là. Un problème modèle pour mieux comprendre ce qui se passe mathématiquement. Même comme ça, ça reste compliqué. Et c'est là que vous voyez que le monde mathématique a beau sembler compliqué, il est en fait beaucoup plus simple que le monde réel. La vérité, c'est que le monde réel est monstrueusement compliqué. Et que quand on essaie de le comprendre, on est obligé à le simplifier, simplifier, simplifier. Poincaré étudie ça. Poincaré était passionné par toutes les questions de physique, de mécanique. Je lui dis qu'il était ingénieur. Il était aussi un grand physicien, un grand astronome. Et il était passionné par ce problème de la représentation, de la compréhension mathématique de l'univers, même sur des modèles réduits comme celui-ci. Et Poincaré pense démontrer la stabilité quand la masse, ici, du troisième corps est nulle, et par extension, quand elle est très faible par rapport aux masses des deux autres. Il pense montrer, pour caricaturer, que jusqu'à la fin des temps, ça va rester tel que c'est, tel qu'on le voit maintenant,
Et ceci, même si c'est que pour trois corps, ça vous donne l'idée que le système solaire reste stable jusqu'à la fin des temps. C'était un travail extrêmement innovant dans lequel nombreux concepts nouveaux étaient introduits. Poincaré avait présenté ce travail en réponse à un concours proposé par le roi Oscar II de Suède, sous l'impulsion de l'ami de Poincaré, Muytag-les-Fleurs. Et Poincaré, présentant son mémoire, il a bien conscience que c'est révolutionnaire. Et de fait, il gagne le concours haut la main. Un concours bien doté, extrêmement visible. Poincaré reçoit la gloire et une somme conséquente, au sens où vraiment tout le monde parle de lui, y compris dans les journaux, vous le voyez, dans les journaux grand public de l'époque. On explique ce que le savant Poincaré a démontré, comment il a fait avancer la compréhension du problème de la stabilité du système solaire. Et puis, patatras, arrive un autre personnage dans l'équation. C'est le jeune mathématicien, qui plus tard deviendra un mathématicien de grand talent, qui est chargé de relire les épreuves de l'article. Vous soumettez un article à une revue mathématique, et ici, ça devait paraître dans la revue, l'une des revues les plus prestigieuses, peut-être la plus prestigieuse du monde mathématique, Acta Mathematica, fondée par Gustav Muytag-les-Fleurs. Et le relecteur en charge de vérifier, de débusquer les erreurs, les petits problèmes dans l'article de Poincaré, envoie une lettre au maître où il explique qu'il y a tel, tel et tel problème ici, qu'il faut faire attention. Poincaré renvoie une salve de correction, ajoute des parties à son manuscrit pour le faire tenir debout. Vous avez ici aussi quelque chose que on voit quand on regarde l'historique de cet ouvrage, quelque chose que j'ai essayé de traduire dans l'ouvrage que présentait Maët tout à l'heure, le fait que un théorème mathématique, c'est comme une maison que vous essayez de construire. De temps en temps, il y a quelque chose qui risque de s'écrouler, vous ajoutez un soutènement, vous réparez ici, vous consolidez par là. Et il s'agit de faire tenir le tout debout, c'est quelque chose qui est très fragile dans la phase de construction. Poincaré renvoie une salve de correction, et puis le relecteur lui renvoie une deuxième série d'erreurs qu'il a relevées. Et Poincaré, cette fois, réfléchit bien et doit se rendre à l'évidence, tout est faux. Il y a une base importante dans son article, sur laquelle l'ensemble repose, qui est radicalement fausse. C'est quasiment une erreur de débutant à un moment, un endroit clé. Il y a un endroit où il a fait comme s'il était en dimension 2, alors qu'en fait il est en dimension 3. Un raisonnement d'un truc qui devrait être unique, qui n'est pas forcément, ne s'applique pas. Et tout s'écroule. Tout s'écroule. Alors, qu'est-ce que vous faites dans un cas comme ça? Vous êtes devenu célèbre pour un résultat qui est faux. Première chose, il s'agit de ne pas le cacher. Tout de suite, Poincaré envoie une lettre à Muytag-les-Fleurs en lui disant vraiment qu'il s'excuse platement et il explique qu'est-ce qu'il arrive à que dans son manuscrit, telle partie peut être sauvée. Ceci est faux, le résultat final est compromis, et ainsi de suite. Muytag-les-Fleurs, qui avait une sacrée résistance à la pression, ne se démonte pas. Il rappelle tout les exemplaires de la revue qui avaient déjà été publiés et envoyés partout dans le monde, il les rappelle tous en expliquant qu'il va leur envoyer une version plus propre, qu'il y a une coquille en telle page ou qui sait quoi. Il trouve un prétexte ici, un prétexte là pour récupérer tous les exemplaires et il met tout au pilon. Il fait payer les frais à Poincaré. Heureusement, Poincaré avait reçu le prix, parce que sinon, il n'aurait pas réussi à sortir la somme correspondante, qui était plus élevée que le prix. Il met tout au pilon, et puis là, c'est le moment de réfléchir un peu tranquillement. Heureusement qu'il n'y avait pas Internet pour garder la mémoire de toutes les bêtises que vous avez pu écrire. Et Poincaré, il arrive à réparer l'erreur. Il comprend la cause de son erreur. Il comprend que là où il avait loupé quelque chose, c'était précisément, il y a deux courbes. Dans Poincaré, il a un raisonnement où il introduit deux courbes. Et il se demande si ces deux courbes peuvent se croiser. Et il avait un raisonnement pour montrer qu'elles ne pouvaient pas se croiser, que si elles se croisaient, forcément, elles étaient confondues, les deux courbes. Et ça lui donnait la stabilité.
finalement, il comprend que les deux courbes elles peuvent se croiser, mais qu'il y a des règles précises pour le croisement. Chaque fois que les deux courbes se croisent, ça lui fournit une solution stable. On appelle ça de nos jours le phénomène d'intersection homocline. Intersection parce que c'est les courbes qui se croisent, et que c'est une façon de détecter des trajectoires stables dans votre système. Et Poincaré comprend à quel point c'est compliqué. Voici ce qu'il dit. Que l'on cherche à se représenter la figure formée par ces deux courbes et leurs intersections en nombre infini. Non seulement les courbes elles peuvent se croiser, mais elles se croisent une infinité de fois. C'est bien, bien pire que ce qu'il croyait. Dont chacune correspond à une solution doublement asymptotique, traduisez une solution stable. Ces intersections forment une sorte de treillis de tissu de réseau à mailles infiniment serrées. Chacune de ces courbes ne doit jamais se recouper elle-même, mais elle doit se replier elle-même d'une manière très complexe pour venir couper une infinité de fois toutes les mailles du réseau. On sera frappé de la complexité de cette figure que je ne cherche même pas à tracer. Vous avez une idée de ce que ça peut être sur cette simulation par ordinateur. Alors, il a analysé les causes de l'erreur et Poincaré, c'est là que c'est remarquable, réussit à tout remettre sur pied. Il se retrouve avec un article entièrement corrigé, cette fois qui tient debout, avec la différence près qui démontre le contraire de ce qu'il avait cru démontrer. Il pensait avoir démontré la stabilité du système solaire et il se retrouve à avoir mis au jour tout plein de bonnes raisons pour lesquelles ça serait instable, tout plein de situations dans lesquelles on n'arrive pas à prédire ce qui va se passer. C'est la naissance, avec les travaux concomitants de Jacques Adamar, c'est la naissance de ce qu'on appelle maintenant la théorie du chaos. Parce que ces intersections qui sont si dures et si resserrées à détecter, elles vous montrent précisément que partant d'une situation stable, une toute petite variation peut vous mener dans une configuration instable. L'instabilité aux conditions initiales, une découverte scientifique majeure de la fin du XIXe siècle, qui vous montre que, à l'encontre de ce qu'on croyait au début, de ce qu'on croyait au XVIIIe siècle, même quand vous avez une équation qui prédit de manière certaine l'avenir d'un système, il se peut que cette équation soit inutilisable en pratique parce qu'une minuscule incertitude de l'ordre d'un cheveu sur les conditions de départ va entraîner une erreur, une différence considérable au bout d'un certain temps. La sensibilité aux conditions initiales, théorie du chaos, ou encore un mot qu'on utilise régulièrement, c'est l'effet papillon, avec l'image utilisée que si vous avez le papillon qui bat de l'aile quelque part au sud du Brésil, peut-être qu'il va se mettre à pleuvoir ici à Rennes. C'est très contestable d'ailleurs, dans un cadre météorologique, cette image du papillon. Mais dans certains domaines, ça marche très bien, et dans le système solaire, ça marche très bien. La théorie du chaos va continuer son chemin et s'appliquer à quantité de systèmes autres que le système solaire. Ici, l'un des symboles, l'un des héros de cette théorie du chaos, c'est l'attracteur étrange découvert par le météorologue Lorentz en analysant un système extrêmement réduit, extrêmement simplifié de météorologie. Et il découvre cette figure, cet attracteur, certaines trajectoires qui sont, en un certain sens, qui attirent les autres, mais qui ne sont pas si stables que cela, et qui vous donnent une idée de à quoi ressemble le comportement en temps grand, le comportement asymptotique d'un système qui est régi par ces équations. Je vous avais parlé de Lascar la dernière fois. Laissez-moi sauter Lascar. Si, je vais vous dire quelques mots sur Lascar quand même, on ne s'en lasse pas. Lascar, c'est celui qui, à un moment où on avait perdu la foi un peu dans ce modèle chaotique de Poincaré pour le système solaire, qui l'a réhabilité, qui a montré que Poincaré avait vu parfaitement juste là-dedans, non seulement avec des équations mathématiques, mais avec la simulation numérique. Simulation numérique du système solaire sur des dizaines de millions d'années qui vous montre que le système solaire est peu prédictible au-delà d'un petit nombre de dizaines de millions d'années. 60 millions d'années, c'est la limite établie par Lascar. Aucune prédiction raisonnable des positions des planètes du système solaire ne peut être faite au-delà
de 60 millions d'années. En particulier, Lascar, et c'est quelque chose d'assez récent, a mis en évidence que, quelque part, dans le système solaire, il y a deux astéroïdes, Cérès et Vesta, quelque part dans la ceinture qui est entre Mars et Jupiter, dont la masse doit être de l'ordre de quelque chose comme le milliardième de la masse du Soleil, dont les trajectoires sont arrangées de telle manière qu'il vous suffit de bouger maintenant Cérès dans la direction de Vesta de quelques centimètres pour que 60 millions d'années plus tard, ça se traduise en une variation considérable des distances entre le Soleil et la Terre, disons. Il y a ce mécanisme d'effet papillon qui s'applique dans le système solaire. Ce qui tiendrait lieu de battement d'ailes papillon, c'est l'agencement de ces satellites Cérès et Vesta qui sont placés d'une manière qui les rend particulièrement influents pour le reste du système solaire. Lascar, pour arriver à ça, il a marié la vision de Poincaré, vision qualitative, étude des équations dérivées ou différentielles, avec l'avancée technologique majeure du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, les ordinateurs. Les ordinateurs, technologie qui a progressé en termes de puissance, en termes de rapidité, en termes de capacité, d'un facteur environ 1000 milliards depuis son invention au milieu du siècle, du XXe siècle, et qui est venu en renfort de toutes les théories qualitatives d'équations différentielles, d'équations aux dérivées partielles, de tous les modèles de physique mathématique employés, fournissant une vraie résonance pour ces modèles. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ou espèrent, les ordinateurs ne vous dispensent pas de comprendre les modèles mathématiques, ils viennent en appoint. Si vous travaillez avec la mauvaise équation mathématique, votre ordinateur vous donnera un résultat parfaitement faux. Mais quand vous alliez la bonne théorie mathématique avec le bon calcul informatique, vous avez ce qu'il vous faut. Ici, j'ai représenté les trois pères fondateurs, si on peut, les trois bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de l'ordinateur. Tous les trois, à la fois mathématiciens et ingénieurs. Ici, vous avez Claude Shannon, le père de la théorie de l'information. On peut lui rendre hommage chaque fois qu'on envoie un message. Comment est-ce qu'il faut chiffrer les messages, la capacité du canal de transmission. Tout ça, ce sont des questions que Shannon a posées le premier, de manière abstraite, d'une façon qui était révolutionnaire. Ici, nous avons John von Neumann, hongrois d'origine, l'une des têtes pensantes du projet Manhattan aux États-Unis pendant la guerre. Et l'un de ces martiens, que j'évoque aussi dans un de mes chapitres de mon livre, ces scientifiques hongrois du début du XXe siècle, des années 20, 30, 40, en très grande majorité juifs, qui ont simplement révolutionné le monde et dans l'héritage duquel nous vivons encore, parce qu'il s'est fait qu'à ce moment-là, à Budapest, il y avait une ambiance de travail, une ambiance d'innovation qui a produit quelques-uns des cerveaux les plus influents du siècle, dans un peu tous les domaines des sciences dures, mathématiques, physique, théorique. Et puis, ici, le troisième, qui le reconnaît, Alan Turing, bien sûr, dont nous fêtons le centenaire de la naissance cette année. Alan Turing, l'un des héros de la Seconde Guerre mondiale, celui qui a permis de craquer le code secret utilisé par les sous-marins allemands, avec un avantage considérable que ça impliquait pour les Alliés, connu également pour son destin tragique, puisqu'il s'est suicidé après avoir subi un traitement infamant pour guérir, entre guillemets, son homosexualité. Revenons sur Poincaré. J'insistais sur ces travaux de Lascar et l'analyse mathématique du système solaire. D'un côté, ça reposait sur un pilier technologique qui sont les ordinateurs. De l'autre côté, ça reposait sur un pilier conceptuel, les théories de Poincaré, le chaos et le hasard. Théories, donc, issues, développées à partir de cette erreur magistrale de Poincaré. Poincaré mettait le doigt sur quelque chose, sur un phénomène important, important qui est de se rappeler à l'esprit. La théorie du chaos, ce n'est pas seulement
dire que les choses sont imprédictibles, c'est aussi dire que l'imprédictibilité individuelle vient souvent avec la prédictibilité statistique. Une loi fondamentale qui s'applique à énormément de choses et qui est une des découvertes majeures associées au développement des probabilités au cours des derniers siècles. On va en parler. Peut-être s'il y a une seule chose que vous pouvez retenir de cet exposé, c'est celui-ci. Je vais le décliner sous plusieurs formes, et ce jusqu'à la fin de l'exposé. Imprédictibilité individuelle vient avec la prédictibilité statistique. Alors, regardons un peu ce que nous dit Poincaré, avec des phrases un peu surprenantes. C'est grâce au hasard, c'est-à-dire grâce à notre ignorance, que nous pouvons conclure. Vous me demandez de vous prédire les phénomènes qui vont se produire. Si par malheur je connaissais les lois de ces phénomènes, je ne pourrais y arriver que par des calculs inextricables et je devrais renoncer à vous répondre. Mais comme j'ai la chance de les ignorer, je vais vous répondre tout de suite. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que ma réponse sera juste. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le cher Henri, avec cette phrase sibylline ? On va essayer de comprendre, on va comprendre. Et on va méditer aussi sur ce que disait Lorenz. J'avance l'idée qu'au fil des années, les petites perturbations ne modifient pas la fréquence d'apparition des événements tels que les ouragans. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de modifier l'ordre dans lequel ces événements se produisent. On ne va pas réussir à prédire, nous dit Lorenz, si tel jour, à telle heure, il va pleuvoir sur Rennes ou pas, mais on va réussir à prédire combien de jours il va pleuvoir en moyenne dans l'année. C'est ça qu'il a en tête. Revenons un petit peu dans l'histoire sur une aventure humaine importante, la façon dont on a apprivoisé le hasard au cours des siècles. 1700, Jacques Bernoulli pose le problème des statistiques. Vous lancez une pièce en l'air, est-ce que vous pouvez dire quelque chose d'intelligent, sachant que vous êtes incapable de prédire si ça va retomber côté pile ou côté face ? Il y a quelque chose d'intelligent que vous pouvez prédire, c'est qu'en gros, une fois sur deux, ça sera côté pile, une fois sur deux, côté face, si votre pièce n'est pas truquée. C'est la loi des grands nombres dont on sert sans arrêt, par exemple, chaque fois qu'on fait un sondage, pour prédire, vous faites sur un petit échantillon, pour savoir ce qui va se passer à grande échelle le jour de l'élection, c'est ce déterminisme statistique qui vous permet d'effectuer le sondage. En 1730, Abraham de Moivre découvre la fonction la plus importante de toutes les probabilités, la fonction gaussienne ou courbe en cloche. Pour ceux qui savent ce qu'est une exponentielle, en gros, l'équation, c'est exponentielle de moins x au carré. Cette courbe en cloche, on la retrouve partout. On la retrouve partout chaque fois qu'on a affaire à des événements aléatoires qui se cumulent et qui sont indépendants. Et j'en reparlerai un peu tout à l'heure. C'est peut-être le théorème le plus marquant qu'il y a dans toutes les branches de la mathématique, à mon avis. La loi gaussienne, on va en reparler. Peu après de Moivre arrive l'expérience remarquable sur laquelle on va méditer de Buffon. Expérience de l'aiguille. Buffon, on le connaît comme un grand naturaliste français, le père du jardin des plantes tel qu'il est maintenant à Paris, et puis aussi quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup aux sciences en général, et ici à un problème mathématique. Problème de Buffon, vous avez un parquet, ici, avec des rainures, et puis une aiguille, vous allez la prendre exactement de l'écartement entre deux rainures. Lâchez votre aiguille sur le parquet. Lâchez-la n'importe comment, de la manière la plus imprédictible possible. Vous lancez l'aiguille en l'air, vous la jetez sauvagement, vous faites tout ce que vous pouvez avec l'aiguille, et vous comptez combien de fois, en proportion, elle va rencontrer l'une des rainures. Hein, ici, là, sur 4 lancés, 2 fois, ça vient croiser une rainure. Vous comptez 2 sur 4. Et vous recommencez l'expérience 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois si vous êtes patient. Et la proportion de fois que ça croisera l'une des rainures deviendra très proche de 2 sur pi. Pi, c'est 3,14, donc environ 2 tiers. Vous avez là la manifestation parfaite
de quelque chose qui est à la fois imprédictible individuellement et parfaitement prédictible de manière statistique. Si vous essayez de savoir si l'aiguille va ou pas franchir la rainure, la rencontrer, eh bien, il vous faut résoudre des équations démentes. Les équations de l'aiguille qui est en vol, la façon dont vous l'avez envoyée, c'est monstrueux. Il vous faut des ordinateurs monstrueusement puissants pour y arriver. Mais si vous vous en fichez complètement, vous dites que vous ignorez ça, vous appliquez seulement la loi statistique, vous trouvez ces deux tiers en statistique. C'est de ça qui veut parler Poincaré. On n'a pas besoin de savoir le détail du lancement de l'aiguille pour arriver à ça. Et dans beaucoup de systèmes physiques, c'est comme ça. Même si vous êtes incapable de prédire ce qui va se passer individuellement, en statistique, vous y arriverez. Et plus vous avez d'incertitudes au niveau individuel, meilleur sera l'accord au niveau statistique. En 1810, Laplace formalise cela sous le théorème de la loi des erreurs, qui vous dit que la moyenne statistique d'un grand nombre de tirages aléatoires présente des fluctuations gaussiennes, selon cette courbe, et ce, quel que soit le signal que vous observez. Que ce soit les fluctuations de la taille des individus, ou celles du niveau des océans, ou celles des erreurs dans un sondage, quels que soient les phénomènes que vous observez, ou une très grande gamme de phénomènes que vous observerez, il y aura toujours cette même courbe gaussienne. Une universalité sidérante. En 1846, Adolphe Quételet s'en empare dans le domaine des sciences sociales. Il découvre par exemple que les statistiques des meurtres ou des crimes qui sont commis à tel ou tel endroit, ça obéit très précisément à la loi des grands nombres et à la loi de la gaussienne, alors que ce sont des choses qui semblent n'avoir pas du tout être déterminées. Francis Galton l'applique aux êtres vivants. Voici ce qu'il nous dit. Il appelle ça la loi suprême de la déraison. On est en 1889, on est juste 2 ans après la fameuse erreur de Poincaré et son travail sur le système solaire. Je ne connais à peu près rien d'aussi apte à impressionner l'imagination que la forme magnifique d'ordre cosmique exprimée par la loi de la fréquence des erreurs. La loi aurait été personnifiée par les Grecs et déifiée s'ils l'avaient connue. Elle règne avec sérénité et sans se faire remarquer dans la plus complète confusion, dans la confusion la plus sauvage. Plus la foule sera grande, plus l'anarchie sera importante, plus parfaite sera l'application de la loi. C'est la loi suprême de la déraison. Chaque fois qu'on regarde un grand échantillon d'éléments chaotiques et qu'on les met ensemble, qu'on les moyenne et qu'on les met en rapport avec leur ordre de grandeur, surgit une forme qu'on ne soupçonnait pas, extrêmement belle, de régularité, qui était là depuis toujours. Et il a raison de s'étonner, Galton, ça c'est assez extraordinaire. En 1921, Pollia nous montre que le même genre de phénomène de loi statistique, on le retrouve derrière des phénomènes physiques, comme le problème du marcheur aléatoire, le marcheur ivre. On va dire que c'est un modèle d'une particule qui se déplace au hasard, qui va diffuser dans un milieu. On appelle ça le problème du marcheur ivre. Vous sortez d'une soirée extrêmement arrosée, vous ne savez plus rentrer chez vous, vous marchez au hasard, tout ce que vous pouvez faire à chaque instant, c'est d'aller soit avant, soit arrière, soit à gauche, soit à droite, sans jamais vous souvenir de ce que vous avez fait un instant auparavant. Et donc, vous allez complètement au hasard. Impossible de prédire ce qui va vous arriver juste après, impossible de prédire où vous serez dans 10 coups. Et pourtant, on arrive à déterminer les lois statistiques de ces choses-là. Par exemple, on arrive à prouver que le marcheur revient toujours au point de départ, avec probabilité 1. En dimension 3, ça ne serait pas vrai. Si vous regardez le problème du poisson aléatoire qui se déplace dans l'océan sans savoir où il va revenir et qui peut aller vers le haut ou vers le bas en même temps que droite, gauche ou avant-arrière, il va revenir avec seulement une probabilité 1/3. Mais la loi statistique, elle, s'applique parfaitement. Et d'autant mieux qu'à chaque instant, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Toujours le même principe. Incertitude individuelle et certitude au niveau statistique. Et là, on arrive vers la deuxième erreur de Poincaré. Et c'est triste qu'il ait commis la deuxième erreur, parce que Poincaré, il avait toutes les cartes en main pour ne pas la faire. Mais ça s'inscrivait dans un contexte extrêmement intéressant, contexte révolutionnaire, des années 1865-1875,
dans lequel on va récupérer les lois statistiques mises au jour, en particulier par les Galton-Quételet, Laplace, celles dont j'ai parlé, et on va les appliquer à la physique statistique, à la physique des gaz, par exemple, à la physique des fluides. Les deux personnes qui ont fait cette révolution, les voici, Maxwell et Boltzmann, les deux pères fondateurs. Ici, le vieux Boltzmann, ici, le jeune Boltzmann. La comparaison des deux images illustrant bien la flèche du temps que Boltzmann est célèbre pour avoir mis en évidence de manière mathématique à travers la loi de croissance de l'entropie. Boltzmann, dans son travail extrêmement célèbre sur l'équation de Boltzmann, en fait décrite auparavant par Maxwell, applique les mêmes principes de probabilité à l'étude des particules et montre que même si dans un gaz, les trajectoires des particules sont absolument imprédictibles, la statistique des particules est parfaitement prédictible. Et vous pouvez déterminer avec une très grande précision comment vont s'exercer les forces, les pressions, les vitesses du gaz autour d'un écoulement, dans un écoulement, autour d'une aile d'avion ou autour d'un être vivant, et ainsi de suite. Et Boltzmann, armé de cette équation, qui sert de nos jours à la fois aux ingénieurs et aux théoriciens de la physique des gaz, armé de cette équation, et qui donc représente le mouvement d'une très très grande quantité de particules qui se cognent les unes contre les autres de manière parfaitement chaotique, arrive à une découverte scientifique majeure qui est celle qui a une notion d'entropie, une notion de désordre inhérent à un système physique que vous observez avec vos yeux macroscopiques et que ce désordre il ne peut qu'augmenter avec le temps. On va toujours vers la situation la plus désordonnée qui soit, qui se puisse. C'était choquant pour beaucoup, y compris pour Poincaré, parce que pour arriver à cette conclusion, laissez-moi ici, je vais sauter quelques petits passages dans ma présentation. Juste vous présenter ici l'équation de Boltzmann, admirer sa belle beauté, admirer sa beauté formelle. Cette équation, elle décrit à la fois le fait que les particules elles ont envie de se déplacer en ligne droite et que sans arrêt, elles se rencontrent les unes les autres, elles se collisionnent de manière tout à fait chaotique. Et, laissez-moi sauter ça et arriver ici, Boltzmann montre que, sous l'effet de ces processus microscopiques aléatoires et qui sont chacun d'entre eux réversibles, l'entropie augmente toujours. On va l'illustrer sur ce petit exemple où vous avez une boîte coupée en deux dans un compartiment du gaz, dans l'autre compartiment du vide. Et vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer quand je vais retirer la séparation entre les deux compartiments. Le calcul est extrêmement compliqué. Si vous avez des milliards de particules ici, le calcul, la résolution exacte va être impossible. Et puis, il va y avoir des phénomènes d'imprédictibilité, de chaos, de sensibilité aux conditions initiales qui fait que vous n'en sortirez pas. Savoir si cette particule-là, au bout de 10 minutes, elle va être à droite ou à gauche, impossible de s'en sortir. Vous êtes face à une situation très imprédictible au niveau individuel des particules, mais pourtant très prédictible au niveau statistique, au niveau de ce qui va arriver à l'ensemble des particules. Et on sait bien ce qui va se passer. Les particules, elles vont avoir tendance à s'engouffrer dans le vide qui est formé, qui est à leur disposition quand vous avez retiré la paroi. On a envie de parler de force attractive du vide. Le vide qui aspire la matière. Mais dans la théorie de Boltzmann, si le vide attire, ce n'est pas du tout parce qu'il y a une force, c'est simplement parce que le gaz a envie d'être le plus désordonné possible. Le gaz va spontanément évoluer vers une configuration dans laquelle il est autant difficile que possible de savoir où se trouve une particule donnée. Et cet état, c'est l'état dans lequel tout le compartiment sera occupé, de sorte qu'une particule, on ne pourra pas savoir a priori si elle est à droite, à gauche ou quelque part. L'état de désordre maximal, l'état dans lequel les possibilités offertes au gaz sont les plus importantes. Un modèle
que vous pouvez garder en tête, c'est la cour d'école. Les étudiants, les petits élèves à l'école primaire vont sortir bien en rang, disons, à le moment de la récréation. On les laisse faire ce qu'ils veulent et ils vont spontanément se mettre dans des configurations telles que toute la cour sera occupée. Pas parce qu'il y a un plan d'ensemble d'aller vers les endroits où il n'y a personne, mais simplement parce qu'ils vont se mettre à aller en tous sens, de manière désordonnée, sans prêter attention les uns aux autres. Et spontanément, ils évolueront vers un état de désordre maximal, un état dans lequel toute la cour est occupée. C'est ça que Boltzmann modélise et prédit grâce à sa théorie. Les nombres mis en jeu sont monstrueux, absolument sidérants. Si vous prenez par exemple 10 puissance 17 particules dans votre boîte, 10 puissance 17, c'est pas du tout aberrant. Le nombre de possibilités offertes au gaz en occupant toute la boîte entière par rapport au nombre de possibilités offertes au gaz en occupant seulement la moitié de la boîte, et si vous voulez le comparer au rapport entre le volume de la galaxie par rapport au volume du proton, essayez d'imaginer la galaxie par rapport au proton. Vous êtes très en deçà de la réalité. Il vous faut encore reprendre à l'intérieur du petit proton, imaginez qu'il est aux dimensions de la grosse galaxie, reprendre un proton à l'intérieur et recommencer encore et encore 200 000 milliards de fois. Vous voyez le genre de nombres contre lesquels on se bat. L'imprédictibilité individuelle, elle va être aussi grande que ce genre de nombre. Et à contrario, la valeur de la prédiction basée sur l'entropie, elle va être d'autant meilleure. Du fait qu'il y ait des nombres si grands mis en jeu, la prédiction de Boltzmann, elle est extrêmement sûre, le fait qu'on va aller vers l'état d'entropie maximale. Et on va retomber sur une distribution gaussienne des vitesses correspondant au maximum de désordre. C'est le genre de problème sur lesquels, par exemple, j'ai travaillé pendant des années et des années dans ma thèse. Comprendre ce genre de phénomène, comprendre l'augmentation de l'entropie. Ça, c'est embêtant pour des gens comme Poincaré, il y avait quand même un problème grave. S'il y a une augmentation de l'entropie, alors il y a une flèche du temps. Il y a un avant et un après. Pourtant, les équations de Newton, elles ne voient pas vraiment d'avant et d'après. Si vous renversez le temps dans les équations de Newton, les équations de petites particules, c'est les mêmes équations. Vous ne faites pas la différence entre un film projeté vers l'avant et un film projeté vers l'arrière de quelques boules de billard. Et Zermelot, Poincaré, note qu'il semble y avoir une erreur dans le raisonnement de Boltzmann. Ça ne marche pas. Parce que, par exemple, il y a ce théorème de récurrence de Poincaré, un théorème respectable qu'il a démontré d'ailleurs dans son fameux manuscrit de 1887, qui dit que si vous partez d'une configuration comme ça, vous attendez un certain temps, le système est un système réversible, conservatif, va arriver un moment où toutes les particules vont revenir presque à leur position de départ. Va arriver un moment où tout le gaz sera de retour dans le compartiment de droite. Et ça, c'est un théorème respectable que vous pouvez même vérifier par vous-même. Évidemment, si le gaz a tendance à revenir dans le compartiment de droite un jour, c'est en contradiction avec le principe de Boltzmann d'augmentation d'entropie. Alors, où est l'erreur ? L'erreur, elle est d'abord dans les échelles de temps. Le temps qu'il vous faut avant que ça revienne dans le compartiment de droite, il est tellement grand que les lois de l'univers ont cessé de s'appliquer depuis longtemps. Je veux dire, même pas, on est dans des nombres aussi grands que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis aussi, l'erreur, elle est dans le fait qu'on oublie le fait qu'on ne connaît jamais, on ne peut pas mesurer le système de manière parfaite. Tout ce qu'on peut mesurer, ce sont des statistiques. Et les statistiques, elles vont obéir à des lois qui sont pas du tout les mêmes. La statistique, on va la remplacer avec une très bonne approximation par l'équation de Boltzmann. Les particules, elles sont en très grand nombre, c'est presque comme si elles étaient en nombre infini. La description avec un nombre de particules infini, ça, c'est la bonne description. Et celle-ci, il n'y a aucune contradiction à ce qu'elle soit irréversible. Poincaré n'a pas mis en doute le fait que l'entropie augmente, mais le fait que le raisonnement de Boltzmann soit valable et qu'on puisse le mettre sur pied. Dans ce texte du mécanisme d'expérience, 1893,
Regardons un petit exemple, par exemple. Il dit que... on va regarder ici, celui-ci, voilà. Il parle de Maxwell. « Toutes les difficultés ne sont pas vaincues. Cependant, un théorème facile à établir nous apprend qu'un monde limité, soumis aux seules lois de la mécanique, repassera toujours par un état très voisin de son état initial. » C'est ce que je vous disais à l'instant. Théorème de récurrence de Poincaré. Je ne sais si l'on a remarqué que les théoriciens éthiques anglaises peuvent se tirer de cette contradiction. Le monde, d'après elle, tend d'abord vers un état où il restera longtemps sans changement apparent, et cela est conforme à l'expérience, mais il ne s'y maintiendra pas toujours, de sorte que le théorème cité plus haut n'est pas violé. Etc. Cet état ne sera donc pas la mort définitive de l'univers, mais une sorte de sommeil d'où il se réveillera après des millions de siècles. Encore plus loin, on voudrait pouvoir s'arrêter à cette étape et espérer qu'un jour le télescope nous montrera un monde en train de se réveiller où les lois de la thermodynamique seront renversées. Malheureusement, d'autres contradictions surgissent. Maxwell fait d'ingénieux efforts pour en triompher, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait réussi. On est forcé de faire quelques hypothèses simplificatrices. Sont-elles légitimes? Sont-elles même conciliables entre elles? Je ne le crois pas. Il n'est pas besoin d'un long examen pour se défier d'un raisonnement où les prémices sont en contradiction au moins apparente avec la conclusion, où l'on trouve en effet la réversibilité dans les prémices et l'irréversibilité dans la conclusion. Ainsi, l'on n'est pas arrivé à tourner la difficulté qui nous occupe, et il est peu probable qu'on n'y parvienne jamais. Conseil, ne dites jamais, il n'est peu probable qu'on parvienne jamais à faire telle ou telle chose. À chaque fois, il y a quelqu'un qui va s'amuser à vous mettre en tort. Donc, nous dit Poincaré ici, avec cette phrase, il doute qu'on puisse jamais mettre sur pied l'équation de Boltzmann de manière rigoureuse à partir de l'équation réversible de Newton. C'était en 1893. Et 80 ans plus tard, Oscar Lanford montre très exactement que Boltzmann s'est trompé en obtenant rigoureusement l'équation de Boltzmann avec un modèle mathématique inattaquable. Il part d'une boule de billard. Avec n boules de billard, où n est très grand, le rayon des boules est très petit, et il se place dans la limite où le rayon des boules est très petit, le nombre de boules est très grand. Il utilise une hypothèse d'indépendance entre les particules qu'on appelle le chaos moléculaire, et il obtient un pont rigoureux entre le monde microscopique de Newton et le monde macroscopique de Boltzmann. Comme quoi, finalement, c'était possible et accessible au raisonnement mathématique. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Ça a duré un peu plus longtemps que ce que j'avais en tête, ce qui explique que j'ai sauté quelques images sur lesquelles je reviendrai si vous le souhaitez, comme ici l'image un peu tragique de Boltzmann et de tous ceux qui ont suivi, développé ses théories après son suicide. Et on va terminer sur quelques références bibliographiques pour ceux qui veulent en savoir plus sur Poincaré, en particulier une très belle analyse du mémoire de Poincaré, le fameux mémoire où Poincaré s'est trompé, comment il s'est trompé, pourquoi, tout cela s'est bien expliqué dans le texte de François Béguin, dans cet ouvrage collectif « L'héritage scientifique de Poincaré ». Et puis... sur cette dernière question, la question de la deuxième erreur, l'irréversibilité et l'entropie, un séminaire Poincaré, c'est comme ça qu'on appelle une série de séminaires avec de très belles notes de cours sur le temps effectué en 2010, vous la trouvez sur ma page internet. Un texte visionnaire de Poincaré sur la physique mathématique, qui est publié en 1890, absolument remarquable. Les trois ouvrages grand public de Poincaré, La valeur de la science et hypothèse, science et méthode, traduits dans toutes les langues ou presque, et qui constituent une source à la fois profonde et très accessible sur ce que c'est que la science, les scientifiques, la mathématique. Et puis, pour ceux qui se trouvent en région parisienne, le 17 novembre 2012, une journée entièrement consacrée à Henri Poincaré à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre nouvellement rénové. Voilà, ainsi s'achève ce petit hommage à Henri Poincaré. Je vous remercie.
Voilà, alors on va enchaîner tout de suite, hein, parce que c'est vrai qu'il est un petit peu tard, mais si vous avez quelques questions, on va se prendre le temps, quelques minutes pour y répondre. Vous nous faites signe ? Peut-être que vous avez tout compris, qu'il n'y a plus de questions, et puis que vous irez continuer la rencontre dans le livre. Même s'ils ont tout compris, ils ont des questions d'habitude, c'est ça, voici une. Tu peux passer par devant, Lucille. Ça va plus vite. Merci. Merci. J'aimerais savoir, à votre avis, qui est le plus grand scientifique, Perelman ou ceux qui ont vérifié que ce qu'il racontait, ça tenait la route? Parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de Perelman parce que il avait un physique un petit peu bizarroïde. Il a tout refusé ce qu'on lui proposait. Au début, il y a un an ou pas, j'avais posé une question à un autre scientifique sur le fait que, après tout, à quoi ça servait d'être rigoureux puisqu'on pouvait être Perelman, ne pas rédiger dans les détails les preuves scientifiques et devenir célèbre. Maintenant, je me dis que ceux qui ont passé beaucoup de temps pour vérifier, ils méritent autant, pas forcément d'être célèbres, mais en tout cas de la reconnaissance. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Ouais. D'abord, avec moi, il ne s'agit pas de toucher à Perelman. C'est vraiment un de mes héros. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, il y a un petit mot sur Perelman. Ouais. Je vais répondre d'abord en disant plus grand scientifique, c'est un concept mal défini. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y avait pas eu Perelman, on n'aurait toujours pas la démonstration. Alors que tous ceux qui ont vérifié la preuve, sans exception, même s'ils sont bons, on aurait pu les remplacer par d'autres. Si ce n'était pas eux qui avaient vérifié la preuve, on aurait trouvé d'autres pour le faire. Mais le Perelman, si on ne l'avait pas eu, on ne l'aurait toujours pas. C'est lui qui a véritablement ouvert la voie, comme ce serait au niveau de l'alpinisme, on va dire. Il y a le premier, celui qui arrive en tête, qui trouve le chemin. Et après, il y a beaucoup d'autres alpinistes qui vont pouvoir passer par derrière, repasser par là, assurer, mettre des pitons ici et là pour que tous les autres puissent faire le chemin dans la foulée. Perelman, en outre, malgré ce qu'on a pu dire, a fait quasiment pas de faute dans sa preuve. C'était l'une des conclusions majeures de ceux qui ont relu et qui ont refait que, essentiellement, tout le raisonnement de Perelman est juste. Il y avait quelques fautes, mais sur l'ensemble de la construction, c'était assez remarquable qu'il y en ait eu si peu. Ce qu'ils ont fait la plupart du temps, c'est qu'ils ont plutôt détaillé des arguments que Perelman avait décrits de manière elliptique. Et je vais dire encore sur la question de la vérification. Perelman, les questions de physique, pour nous, ça, c'est pas guerre d'importance, mais Perelman, c'est vraiment un héros. Le fait qu'il ait refusé les honneurs, ça a plutôt accru sa popularité au sein de la communauté mathématique. Je dirais aussi que pour nous, c'était de la rigolade par rapport à démontrer la conjecture de Poincaré. Démontrer la conjecture de Poincaré, c'était un truc... Refuser le million de dollars, moi aussi, je peux refuser le million de dollars si on veut... Il y a d'autres exemples dans l'histoire, des gens qui refusent des grandes sommes, qui refusent des héritages, ça arrive et tout ça. Mais démontrer Poincaré, bon sang. Oui, monsieur. Voilà, le micro est là. Prenez le micro, voilà. Il est là, merci. Merci, Lucie. Oui, bonsoir. Au début de votre intervention, vous parlez de l'intuition. Oui. L'intuition de Poincaré. Ouais. Est-ce que ce n'est pas, en fait, pour montrer quelque part que les grands scientifiques, les découvreurs, sont en fait des très hauts coefficients intellectuels qui résonnent par arborescence et non pas linéairement, qui ont donc tout un chaos d'idées qui leur viennent intuitivement à l'esprit, en même temps. C'est un peu ce qui était écrit par Poincaré. Et sans même comprendre le cheminement, ils entrevoient la finalité, ils entrevoient la solution. Donc ils n'ont pas un esprit linéaire au départ pour construire une théorie, mais ils en ont l'intuition. Effectivement, c'est ce qui est dit. Alors, on sait aujourd'hui que les très hauts coefficients intellectuels
ont une façon de penser, une construction du cerveau qui n'est pas linéaire, justement. Ils travaillent par intuition et par arborescence. Ça veut dire que, donc, sans doute, dans les scientifiques, il y a les HQI moyens qui travaillent linéairement, qui démontrent les découvertes de leur maître très haut coefficient intellectuel. C'est une façon de voir les choses. Il y a certainement du, vrai là-dedans. Même si je déteste l'idée de coefficient intellectuel, je pense que c'est un coefficient. Quotient. Coefficient ou quotient, même, je pense que c'est. Et je pense que le monde se porterait mieux sans quotient intellectuel. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse mettre une note sur une intelligence, quelque chose qui est aussi une loi statistique, une courbe de Gauss d'ailleurs. Même. C'est là aussi. Ça, je comprends bien que c'est statistique, mais. Pourquoi ? Je veux dire, d'abord, une personne très intelligente sur un type de problème peut être complètement stupide sur un autre type de problème. Une personne au contact de certains individus peut se montrer très intelligente et au contact d'autres individus complètement stupide. Je ne pense pas qu'on puisse même attribuer une notation d'intelligence, de performance intellectuelle à une personne intrinsèquement. Je pense qu'on ne peut le faire que une personne en fonction du contexte et en fonction de l'interaction. Des gens qui seront très intelligents avec un ordinateur, des gens qui seront très intelligents sans ordinateur, et ainsi de suite. Et donc, j'aime vraiment pas les notions de quotient intellectuel, mais pour revenir dans le genre de choses que vous décriviez, mettons des gens qui ont une aptitude particulière, un potentiel, à l'exploration de problèmes et disons de problèmes mathématiques, et des gens qui vont être très performants sur la recherche de problèmes mathématiques. Là encore, il faut nuancer parce que, par exemple, les mathématiciens ont des intelligences différentes et des types de problèmes qui sont différents. Il y a un petit passage dans le livre qui a stupéfait certains des journalistes que j'ai pu rencontrer, dans lesquels ils disent, là, vous dites, le problème de Syracuse, le problème qui sait quoi, vous dites que vous ne pouvez pas réfléchir à ce que c'est un genre de problème sur lequel votre cerveau est incapable de raisonner. Je lui ai dit, oui, moi, j'ai une façon de penser les choses, en tout cas, et mathématiquement, j'ai été formé de façon qu'il y a certains types de problèmes pour lesquels je peux explorer ou pour lesquels je peux avoir des idées, d'autres types dans lesquels je reste simplement muet. Et même les mathématiciens, je dirais qu'on a l'habitude de classer, par exemple, de dire qu'il y a différentes branches de la mathématique qui sont la géométrie, l'algèbre, l'analyse, les probabilités et tout ça, et qu'on étudie à l'école ci ou ça, et que plus tard, en recherche, on étudie tel ou tel problème. Mais souvent, on se dit que la bonne classification, ce n'est pas en fonction de l'objet ou du problème étudié, mais en fonction de la tournure d'esprit qu'on va utiliser pour attaquer un problème. Quand un analyste, et on voit un analyste peut attaquer des problèmes qui seraient des problèmes géométriques avec un esprit d'analyse, à l'inverse, quelqu'un pourrait attaquer certains problèmes d'analyse avec certains problèmes l'analyste pourrait attaquer les problèmes de géométrie avec un esprit analytique, à l'inverse, on pourrait imaginer analyser des problèmes analyse avec un esprit géométrique, et ainsi de suite. La tournure d'esprit, elle peut varier considérablement d'une façon à l'autre, d'une personne à l'autre. Et pour cette question d'arborescence et autres, je dirais que oui, dans la résolution du problème, il y a des phases dans lesquelles vous regardez tous azimuts comment se présentent les choses, vous regardez des pistes tous azimuts, et puis il faut sélectionner, trouver un chemin, et puis à la fin le mener au bout, et vérifier ensuite la solidité. Mais je ne pense pas que l'intuition, ça veut dire que vous allez couvrir tout de manière plus rapide. Je dirais plutôt qu'il s'agit de deviner en fonction de l'expérience passée, en fonction de réminiscence, en fonction d'analogie, la direction, mais juste la direction qui a le plus de chances d'aboutir. De la même façon qu'un très fort joueur d'échecs, souvent, ne cherche pas à prédire ce qui va se passer au bout de 5-6 coups, mais cherche à aller vers une position qui, stratégiquement, va lui donner un avantage. C'est la tendance qui va l'intéresser. On prend encore une question ? Ici, il y en a là, il y en a deux, on prend quelques-unes. Allez, en haut. Les coups. Alors, qui est-ce qui a le micro ? Allez-y. C'est Daniel, c'est là-haut, pardon. C'est à la mezzanine. Merci. Bonsoir. 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 Vous avez mentionné Syracuse. Est-ce que vous auriez un petit...
petit avis sur les problèmes mathématiques intéressants à résoudre pour les années qui viennent? Alors, pour les années qui viennent, là, je vais citer Poincaré. Hein, en 1900, on lui demande de prédire à quoi ressemblera la science du XXe siècle. Et il répond, je crois que l'on trouvera des résultats surprenants. Et je m'arrête là parce que, par définition, s'ils sont surprenants, c'est qu'on n'avait pas arrivé à les prédire. Et il fait remarquer que si en 1800, on avait demandé à quelqu'un de prédire les problèmes intéressants du XIXe siècle, ça aurait été une catastrophe. De même que si en 2000, hein, si en 2000 on avait demandé à quelqu'un qu'est-ce qui va sortir, personne n'aurait pu prédire que 2 ans plus tard allait arriver sur la table la solution de la conjecture de Poincaré par un Grégory Perelman qu'à l'époque tout le monde avait perdu de vue. Là encore, c'était dans les news hier, il y a une démonstration qui fait assez grand bruit, hein, une certaine conjecture que les gens n'attendaient pas trop. Donc ça, souvent, c'est imprévisible, les problèmes qui vont tomber les uns les autres. Ce qu'on peut dire, c'est quels sont les problèmes qui, déjà depuis un moment, agacent ou obsèdent les mathématiciens, quels sont ceux qui les font enrager parce qu'on n'arrive pas à trouver la solution, quels sont ceux sur lesquels on progresse. On peut dire aussi que dans les problèmes mathématiques actuels, sans conteste, le plus célèbre, celui qui fait le plus rêver, c'est celui qu'on appelle l'hypothèse de Riemann. Avec en plus la personnalité extraordinaire de Riemann, qui continue à être un personnage de légende dans l'histoire mathématique. Et cette fameuse hypothèse qui, en un certain sens, vous dit, en un sens très précis, vous dit que les nombres premiers sont répartis d'une manière statistique, précise et complètement aléatoire, en un certain sens. Et là, il y a quelque chose qui fascine parce que ça touche aux fameux nombres premiers qui sont la clé de l'arithmétique. Et cette hypothèse de Riemann, ça serait le couronnement de plusieurs siècles d'efforts dans la compréhension de la façon dont les nombres premiers surgissent. Et c'est un monstre inaccessible. Ça, celui-là, c'est clairement le plus médiatique. Après, des problèmes importants, ça sera la compréhension de la mécanique des fluides. Je faisais un exposé tout à l'heure devant les élèves à l'École normale supérieure de Cachan, antenne de Kerlan, où je leur montrais sur une équation connue et respectée, l'équation de l'air, qui date de 1755, qui décrit un fluide parfait incompressible. Je leur expliquais qu'on ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, quelle est la bonne classe de régularité de fonction, c'est-à-dire le bon degré d'oscillation des solutions qu'il faut rechercher pour que le modèle ait un sens. On ne sait toujours pas, si vous voulez, quelle est la bonne façon de poser le problème mathématique d'un fluide parfait, incompressible, là, en 2012. C'est le genre de problèmes qui sont extrêmement rageants. Ah, monsieur, vous mettez au travail, hein ? Alors, il y avait une autre question par ici, Lucie. Et ici aussi, Clémence, tu t'approches de monsieur, comme ça on va gagner un petit peu de temps pour donner le micro. Merci. Bonsoir et merci pour cette super conférence. Je voudrais savoir si les travaux d'Henri Poincaré ont servi au développement de la mécanique quantique. Parce qu'il y a le principe d'incertitude, j'ai eu l'impression que l'irréversibilité, des choses comme ça. Henri Poincaré reste attaché à certaines études, disons à certaines études sur les opérateurs linéaires, à certaines études sur le spectre d'opérateurs linéaires, pour employer un peu un gros mot. Et de manière générale, l'analyse spectrale est à la base de la mécanique quantique. Il y a une inégalité qu'on appelle l'inégalité de Poincaré. Il y a une gamme d'inégalités de Poincaré, parmi lesquelles certaines ont précisément un contenu spectral, qui joue un rôle extrêmement important dans la description de mécanismes quantiques. Donc, indirectement, la réponse est oui. Disons, il a développé certaines branches mathématiques qui ont joué un rôle important en mécanique quantique. L'autre grande révolution scientifique dans laquelle Poincaré est impliqué jusqu'au cou, c'est la relativité. Même si c'est complètement dément de dire que, je pense, pas complètement dément, en tout cas, je pense que c'est absurde de dire, comme certains l'ont dit, qu'Einstein avait plagié Poincaré ou qu'il avait tout volé à Poincaré, parce qu'Einstein avait quand même une vision révolutionnaire de la chose.
C. Poincaré qui a quand même trouvé, mis dans la lignée de Lorentz, qui a trouvé les bonnes équations mathématiques, et C. Poincaré qui a trouvé le mot relativité, et qui avait en tête vraiment toute la gymnastique que ça représente, la question du changement de référentiel, la question de la borne des vitesses. Donc c'est un des personnages extrêmement importants dans le développement de la relativité. Voilà, on va passer le micro. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais aimé revenir sur un point de votre exposé à propos de la théorie du marcheur-ivre. Vous demandez pourquoi, en trois dimensions, la probabilité qu'il revienne sur le point de départ passe à un tiers. Ouais. En dimension 1 et 2, la probabilité est 1. En dimension 3, la probabilité devient un tiers, et puis après, la probabilité diminue au fur et à mesure qu'on descend. Et la dimension critique, c'est 2. Si ça avait un sens de parler du marcheur en dimension 2,5, par exemple, ça serait strictement inférieur à 1, ou 2 plus epsilon, ça serait strictement inférieur à 1. La dimension critique, c'est 2. 2 joue un rôle particulier pour comment on peut le comprendre. Le marcheur ivre, quand on le regarde de très loin et en accéléré, on obtient ce qu'on appelle un mouvement brownien. Le mouvement brownien, il est très couvrant. Peut-être pour conclure, je vais vous montrer une image de ce mouvement-là, si je l'ai, il faut vérifier. Il est très couvrant. Et c'est une figure qui, géométriquement, est de dimension 2, de dimension fractale 2. Quand on pense dimension fractale, on pense souvent dimension fractionnaire. Et là, c'est une dimension fractionnaire qui se trouve être égale à 2. Et ça confère un rôle particulier à la dimension 2. On peut voir ça comme ça. On lit ce rôle particulier de la dimension 2, disons des dimensions plus petites que 2, aussi bien sur la solution du problème du marcheur ivre que sur le comportement asymptotique de l'équation de la chaleur. Prenez une source de chaleur ponctuelle et laissez refroidir et regardez comment ça se passe. Vous verrez une modification du comportement entre les dimensions 1 et 2 et les dimensions 3 et plus grandes. La dimension 2 est critique pour tout ce genre de problème où on diffuse, où on se déplace au hasard et où la géométrie de ce qui est couvert est en gros 2. Voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a une probabilité que vous vous cassiez la figure si vous ne refaites pas vos lacets. Merci Maëtte, vous êtes une mère pour moi. Alors, je vais regarder si je vous trouve ce joli économiseur où on voit un mouvement brownien, qui est très très joli. Et ça ferait une belle conclusion pour finir. Économiseur d'énergie, moniteur, c'est pour l'eau. Voilà, c'est là-dedans si. Peut-être. Option ici, économiseur, voilà. Là, j'ai coupé le courant pour pas qu'on voit que je suis en train. Voilà, ce que je suis en train de chercher. Et nous y voici, on va le remettre. Donc, je vous recommande ce joli économiseur qui s'appelle Wonder. Ça, c'est le bonheur des enfants. Et on y voit ici un marcheur ivre vu de loin et en accéléré. Regardez comme c'est beau. Observez, alors il y a des gens qui peuvent passer leur vie à étudier ce genre de choses. Observez qu'il y a certains endroits dans lesquels vous avez comme des ismes et d'autres endroits dans lesquels vous avez des pleins, des continents. Et ça, c'est une figure qui est, en un certain sens, de dimension 2. Alors, cette surface nulle, là, on a l'impression que ça occupe une surface pleine, mais si le trait était vraiment, s'il n'y avait pas d'épaisseur du trait, la surface occupée serait nulle. Pour autant, la dimension est égale à 2. Et c'est ce marcheur. Donc, la simulation est absolument triviale. À chaque fois, ça se déplace, par exemple, d'un pixel vers le haut, vers le bas, droite ou vers la gauche. Et vous voyez bien, là, quand vous regardez ça, vous voyez bien aussi, c'est bien de terminer là-dessus aussi, parce que tout ce dont je parlais à la fin de la conférence, cette question d'imprédictibilité locale et de prédictibilité statistique, on la retrouve ici. Vous voyez que la forme ici, là-bas, la forme ici, la géométrie, elle présente des caractéristiques qu'on retrouve.
On sent bien qu'il y a des statistiques, il y a des questions comme la longueur des anfractuosités, le paysage qui vont se poser, qu'on va pouvoir étudier. Même si c'est une figure qui est tracée au hasard, on va pouvoir l'étudier de manière très précise. L'un des résultats phares dans les travaux de Wendelin Werner et de ses collaborateurs, pour lesquels Wendelin a eu la médaille Fields en 2006, c'était le calcul de la dimension fractale de l'enveloppe de ce mouvement brownien. Vous regardez juste le pourtour, si vous voulez, le pourtour, et ça vous fait une ligne, mais une ligne qui est tellement contournée, tellement compliquée, tellement zigzagante, que sa dimension est plus que 1. C'est quelque chose qui est plutôt intermédiaire entre la droite et le plan, et la dimension est exactement 4 tiers. Et on retombe aussi sur la question de l'intuition. Ce 4 tiers avait été prédit par le mathématicien visionnaire Benoît Mandelbrot sur des arguments d'intuition. Pas par un raisonnement logique, mais parce qu'il le sentait que c'était relié à certains problèmes de mécanique des fluides, problèmes du brownien auto-évitant et des choses comme ça. C'était vraiment une question d'intuition. Et il a fallu des années avant que viennent des mathématiciens comme Werner et les autres. On retombe sur la première question, qui est le plus méritant? Ici, c'est différent. Ici, on n'est pas dans la situation Perelman et les autres qui vérifient. C'est dans la situation où on a quelqu'un qui intuite, c'est Mandelbrot, mais qui ne donne pas, même pas de canevas de preuve. Et puis les autres, après, qui trouvent tout un plan d'action, qui trouvent même une nouvelle stratégie mathématique et qui la démontrent. Ici, le partage du mérite est beaucoup plus important. Voilà. Je vous remercie. Un grand merci. Alors attention, hein, si vous demandez un bis, vous ne savez pas à quoi vous vous exposez là. En tout cas, c'était vraiment un grand bonheur pour l'Espace des sciences de Rennes de commencer notre saison avec vous, Cédric. Merci. Merci encore de cette journée que vous avez passée à Rennes. Comme vous l'avez dit, vous avez aussi offert de votre temps à l'ENS Cachan, à Kerlan, ce matin. Voilà, il est infatigable. Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Rendez-vous, j'espère, les prochains mardis de l'Espace des sciences. Si le libraire est encore là, vous sentez encore la force de signer Je continue à dédicacer si voilà. Le libraire est encore là. Voilà. Merci, bonsoir à tous.